Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match des barrages aller entre Troyes et Lorient. Troyes qui a fini troisième en Ligue 2, en Ligue 2 tout simplement, après une fin de saison complètement folle, pardon, reçoit donc Lorient qui a terminé 18e de Ligue 1. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Ça sent, hein, ça sent de plus en plus la fin de saison, les matchs de barrage ce soir, le match retour dimanche, la Coupe de France samedi. C'est les dernières semaines, la dernière semaine, ça sera véritablement la semaine prochaine où on aura la finale de la Ligue des Champions, etc. Le match de l'équipe de France, l'amical. Donc bonsoir, bonsoir à tous les frérots. Encore un super live. Je vous dis un petit peu bonjour, tiens. Salut, allez les Lorient. Allez Lorient pour Ludovic. Allez 3 pour The Rings. 22 The Rings, 22, on est déjà 190. Merci à vous d'être présents, les frérots. Yo 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 yo, salut Mathis. Go Lorient pour Owen. Owen, t'as un nom de breton en même temps. Soleil, est-ce que tu as ta grenadine légendaire? Fréo, elle est ici, la grenadine légendaire. On est chaud ce soir. On est chaud parce que je pense que ça peut être un très bon match. Peut-être pas beaucoup de buts ce soir, mais le retour risque d'être énorme, je pense, dimanche. En tout cas, on aura les prémices ce soir. On va voir si les deux équipes, si la Ligue 2 vaut vraiment sur la Ligue 1. En tout cas, la Ligue 2, elle n'a pas origine de la Ligue 1 cette année, en termes en tout cas de spectacle. Allez Lorient, il y a beaucoup d'Allez Lorient. On fera un petit sondage hein, pour voir les forces en présence tout à l'heure. Je vous demanderai ça, les frérots, on verra ça. Allez les deux, j'ai vu. Salut, salut Romain. Salut à tous les modérateurs et d'ailleurs j'en profite comme d'habitude de remercier tous les tipeurs qui participent à l'avancée du Clubhouse, que ça soit Joker, Zola Maxfou, Johan, etc. Il y en a plein, il y a Romain par exemple qui est modérateur mais qui est aussi tipeur. Merci à vous, merci à Antonin qui vient de s'abonner. Si vous voulez être aussi tipeur, c'est dans la description, c'est aussi simple que ça. Dans la description vous avez aussi mon Facebook, mon Twitter, mon Snap, je réponds à tous les messages. Mais surtout essayez de rejoindre le Discord du Clubhouse où on parle de foot. Aujourd'hui c'était plutôt calme, hein, j'ai vu sur Discord. Mais c'est parce que voilà, peut-être les gens étaient sortis à la plage. Il a fait beau, en tout cas en Normandie, les frérots, il a fait très très beau. Donc voilà pour les présentations. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, ce que tu veux. Ce que tu veux frérot, tu partages. N'hésite pas à liker non plus, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas, si tu connais pas encore Clubhouse, comme la personne qui l'a fait juste avant, si tu connais pas encore Clubhouse, va dans la description, tout y est expliqué. Si tu kiffes, essaye de t'abonner et de d'activer la petite cloche, alors que je reçois des messages déjà sur Facebook. Merci. Merci Joker. Merci Joker pour ton don de 2€. Du GG dans le chat. Du GG dans le chat. il est chaud ce soir. Du GG pour Joker pour ses 2€. Merci à toi frérot. Donc voilà. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Je vais encore répondre un petit peu à vos messages et je vous présente le match juste après. Il commence à 20h45, c'est-à-dire dans 10 minutes. Bah voilà, je t'ai répondu. Big FO, désolé, je peux pas regarder. Alors ça va me faire de la peine. Avec toi, je regarde sur Canal Plus, bye. Ben, c'est pas grave, hein, frérot, je comprends beaucoup. Hein, je comprends, t'inquiète. L'OM là-bas, salut. Wesh, tu te souviens de moi? Pas tellement. MYTPS quoi. Ah si, ça me dit un truc, ce pseudo. Salut Mirachi. Est-ce que tu bois autre chose que la grenadine soda? Dans la journée, oui. Hein. Dans la journée, sinon... l'effet de la grenadine légendaire ne ferait plus effet. Voilà, donc je suis pas tombé dedans quand j'étais petit dans le tonneau, hein. Mais voilà, il faut modérer la grenadine, bien évidemment. Lorient Gogo, les Bretons, prend la place de CJP. Bah, il a déjà plus de place. Je te kiffe, Tony Yabel. Merci frérot. Salut Youyou, je suis là depuis un bail. Ah excuse-moi. Mais il me semble que ton pseudo me tient un truc. Salut Brice, alors qu'on est déjà 244. Merci les frérots. Salut Clash, salut Youyou Gaming. Salut Théo, salut tout le monde. Salut tout le monde. Voilà, c'est un match très important ce soir. Pourquoi? Donc une place en Ligue 1. Les deux équipes donc, ont vu leurs vacances repoussées pour un match
sous haute tension. En effet, le résultat de cette double confrontation, entre les deux clubs, et ça va bouleverser en fait leur été, que ce soit dans la structure même du club ou bien même sur le marché des transferts. Imaginez-vous, perdez cette double confrontation, vous allez en Ligue 2, le budget du club n'est plus du tout le même, que ce soit par rapport aux droits télé, tous les sponsors, etc. On n'a pas les mêmes sponsors si on arrive en Ligue 1 ou si on est en Ligue 2, ça change. Tout, ça change complètement tout. Donc voilà, tu peux attirer des moins bons joueurs, on va dire, au moins des joueurs moins médiatiques. Donc c'est très important. Et même pour tes supporters, si toi t'es supporter de Lorient, j'imagine que tu iras peut-être moins au match si c'est contre je sais pas, moi je vais pas clasher un autre club, mais si c'est contre une équipe de Ligue 2 ou si c'est contre Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon l'année prochaine. Donc t'as compris, c'est un match très important. Au niveau des formes des deux équipes, parce que le championnat vient de se terminer pour les deux équipes, 3 restent en Ligue 2 sur 6 matchs sans défaite, plutôt en forme les Troyens. Lorient par contre est en moins bonne forme, après ils n'ont pas joué les mêmes équipes, je vous l'accorde, et ils restent sur 4 matchs sans victoire en Ligue 1. 3, pour vous parler domicile extérieur, parce que c'est pas les équipes qui ont l'habitude de faire ce genre de match aller-retour. C'est plutôt les clubs européens qui jouent en Coupe d'Europe qui ont l'habitude de ce genre de match. Mais pour ces deux clubs, c'est pas une habitude. Donc on va voir par rapport, j'ai regardé un peu par rapport au championnat. Est-ce qu'ils étaient plutôt à l'aise à domicile ou est-ce qu'ils étaient plutôt à l'aise à l'extérieur? Et du coup, du côté troyen, j'ai regardé un petit peu le classement et il faut dire qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise à domicile. Ils sont deuxième sur toute la saison à domicile au classement alors qu'ils ont fini troisième et seulement septième à l'extérieur. Donc ce soir, je pense qu'ils vont... ils vont se dire qu'il va falloir réaliser une bonne performance étant donné qu'ils sont moins performants donc à l'extérieur. Du côté des Lorientais, c'est une équipe en général qui a les mêmes performances à domicile ou à l'extérieur. Mais attention quand même parce que les Merlus restent sur 3 défaites d'affilée à l'extérieur. Donc à voir si ça va jouer, si la saison qui s'est passée, peut-être même psychologiquement, ça peut rester dans les têtes le fait que moi je l'ai connu ce genre de choses, d'être très performant à domicile et quand tu vas à l'extérieur d'enchaîner quelques défaites et tu sens que tu es beaucoup moins à l'aise. Donc voilà, on va voir si psychologiquement déjà du côté Lorienté ça peut amener quelque chose de négatif, même si ce match est quand même, comme je vous l'ai dit, à part. Je vais vous lire un petit peu dans le chat, et puis après je vous donne les compos tranquillement, les frérots. Je vous rappelle, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Si vous êtes pour Marseille, tapez 13. Ah bah mais Marseille, frérot, tu devrais être content, ils sont en coupe UEFA. N'en parle pas ce soir, c'est soit 3, soit Lorient, mais tu peux rester. Je suis comme toi objectif, mais une toute petite préférence pour Lorient, pour l'OM là-bas. Salut Joker qui dit salut à tout le monde. Il me dit pas bonjour à moi parce qu'il a donné son don, tu vois. C'est pour me dire bonjour limite, Joker. Mais il vous dit à tous bonjour parce que Joker, comme toutes les personnes qui sont sur le Discord, c'est vraiment bonne ambiance. On kiffe, vraiment on crée une communauté solidaire et qui aime le foot et c'est vraiment très intéressant. Tu vois qui monter en Ligue 1, bref, allez les stacks. Alors, une petite info, normalement je voulais vous la donner pendant le match, j'ai un peu potassé cet après-midi. Donc l'info pour vous dire, ce qui va m'amener à dire que pour moi 3 peut avoir la possibilité de se qualifier, c'est sur 21 barrages disputés en match aller-retour dans l'histoire du championnat de France. 71% des cas, c'est l'équipe de Ligue 2 qui passe. Donc voilà, quand il y a eu des matchs aller-retour sur des barrages, c'est souvent l'équipe de Ligue 2 qui se qualifie et qui passe en Ligue 1. Donc seulement, vous l'avez compris, 29% pour l'équipe de Ligue 1. Pour moi, donc, le favori, c'est 3. Mais on verra, on va bien voir si ça se précise aujourd'hui. Merci en tout cas d'être 313. Salut So, je te suis depuis Monaco-Dijon. Tu te rappelles de moi? Je n'avais pas vu, c'était qui avait envoyé le message, Jocard.
complètement taré. Salut Sodrette, comment tu vas? Ça va très bien Damien, je suis pour Lyon, mais pour ce match, je suis plus pour Lorient. Il y a beaucoup de clubs, hein. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, pour Lorient. Salut So, bon match à tous. Merci David, je suis né à Troyes, mais mon père vient de Bretagne. Allez les deux, je comprends très bien mon si. Troyes va pas passer pour modifier les vidéos. Après, c'est ton avis, hein. Moi, c'est pas mon pronom, on va dire. C'est par rapport aux statistiques. Après, les statistiques, ça fait pas tout. Salut Dodo nouveau. Yo, last street. Allez, 3. Allez, les merlus, fais un sondage avec le i. Non, je le fais à la cool. Et les joueurs qui sont en train de rentrer sur le terrain. Donc, je vais vous donner les compos et après, on va faire le sondage des équipes en présence, les frérots. Du côté de 3, c'est un 4-2-3-1. Pas de surprise hein, du côté des Troyens. Samassa dans les buts. Obiang à gauche. Erel et Giraudon. Ou Giraudon. Je pense que c'est Giraudon en défense centrale. Si je me trompe sur un nom, hein, je le prends pas mal, les frères. Vous me le dites dans le chat. Confé à droite. Dingomé et Azamoum en milieu récupérateur. Darbion, Nivet et Grandzir. Pour les trois milieux offensifs et Nian devant. Du côté de l'Orienté, c'est Lecomte dans les buts, c'est un 4-4-2. Le Goff à gauche, Siani et Pébernès en défense centrale, Morera à droite. Les quatre milieux de terrain sont de la droite vers la gauche, Cabot, Mbouemba, Lotoa et Philippe Otto. Et devant, une surprise, c'est Jeannot qui est titularisé ce soir. Et il aura à ses côtés Waris. Salut, je suis l'Orienté. Allez Lorient, je te kiffe. Merci Tony Abel. Moi je me rappelle de toi quand vous avez... Quand on vous a défoncé 5-1, j'ai pas compris. Je sais pas de quoi tu parles, frérot. Donc voilà. Morera, l'ancien Lensois. Je suis pour Guingamp, mais là pour le match, je suis pour Lorient. Ok. Tu restes en Bretagne, quoi. Voilà, les frérots, les joueurs sont sur la pelouse. Le match va bientôt commencer. Je le rappelle, il est sur Canal+, et il me semble qu'il est aussi sur beIN Sport. Donc, si vous avez une des deux chaînes, n'hésitez pas à le regarder. Si vous voulez rester avec nous, n'hésitez pas non plus. Et nous, on va vivre ça tranquillement. Pronostic de ce match. Je vois une victoire troyenne ce soir, 2-0. Tiens, je vais me lancer 2-0 ce soir. Tiens, ça me permet de lire... Et de faire le sondage. Si vous êtes l'Orienté, vous tapez 2. Si vous êtes Troyen, vous tapez 1. 1 pour 3, 2 pour l'Orient. C'est parti. Go, 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 go. Vous pouvez balancer votre club préféré. Alors Marseille 77, c'est 2. L'Orient va aller en Ligue 2. Allez Nancy avec Nancy Bastia. 2-2. Pour Guillaume aussi. Betrave 2. Mardo Clash 1. Il y a beaucoup de 2. Alexis Merlet, il est pour aucun club. Ça peut paraître logique. Invisible Foot 2. 1, il y a pas mal de 2. Hein. Il y a pas mal de 2. Je vois du 1 aussi. C'est plutôt mitigé. Mais plus de 2 quand même. Tu es 14e tendance live. Merci frérot. C'est vraiment cool pour un match comme celui-ci. C'est pas une grosse affiche. Tu me zappes pas du tout. Pas du tout. C'est l'Europa League. Non, c'est pas l'Europa League. c'est le barrage Ligue 1. Allez, le match va commencer, les frérots. J'espère que vous êtes prêts. 3 Orient, une place, un ticket pour la Ligue 1 est en jeu. Match aller-retour ce soir, le match aller. Dimanche, le match retour. Je le rappelle, match très important. Les joueurs sont prêts. Ils sont positionnés sur la pelouse. L'arbitre est prêt aussi, il attend le signal sur le côté pour lancer le match. Il y a pas mal de 1 quand même. Abonnez-vous à Soudren, merci Tony Yabel. Allez, on attend le coup d'envoi et c'est bon, c'est parti. L'arbitre a donné le coup d'envoi de ce match entre 3 et Lorient. Match aller des barrages, match très important, hein, je le rappelle. Un match à vivre ensemble dans le clubhouse. Alors que les Troyens récupèrent déjà un ballon très haut là, c'est bien fait. Grandzir, côté droit. Le centre peut-être de Grandzir, il est plutôt bon, mais c'est récupéré dans les mimines de Lecomte. Le centre de Grandzir. Alors que les Lorientais essayent de se relancer, mais le ballon va aller directement en touche. Hein. Vous inquiétez pas, je vais avoir un petit temps d'adaptation hein, pour les joueurs. Alors que il me semble que c'est les nouveaux
peut-être le nouvel affichage de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Un petit bleu avec du vert très très fluo. Vous savez, au niveau du score, ça change peut-être parfois tous les ans. Alors qu'il y a un long ballon là, l'orienté qui va aller directement en touche. Je car 3 Lorient en Europa League. On a notre champion. Et je voudrais voir Boldo. Allez, les sons et or. Je kiffe. Merci, Alexis. Allez, encore les Troyens à l'attaque. Ils vont obtenir un coup franc à 35 mètres des buts de Lecomte. Très bon coup franc pour les Troyens. Obtenu par Darbion. Un petit peu décalé côté droit. On va voir si ça peut être intéressant, s'il peut avoir quelqu'un à l'arrivée. Ça va être Darbion et Nivet qui sont à côté du ballon pour le tirer. Ça semble plus Darbion. Ah, ils vont jouer à deux, c'est bien fait. C'est Nivet qui a le ballon là, il est dans les 30 derniers mètres. Il a remis à Darbion, Darbion côté droit. Darbion, ah, il perd le ballon. Darbion, c'est pas finalement, ça n'a pas été bien joué de la part des deux joueurs troyens qui ont perdu le ballon. Champion de Ligue 2 la saison prochaine, on y croit. Allez, les Lensois. Yeah. Allez, la touche pour les Lorientais. Ça va revenir sur le compte. Hein. Des difficultés pour le moment des Lorientais à se ressortir le ballon. Sous le pressing, hein. Il y a un gros pressing pour le moment des Troyens. Soit la défense centrale lorientaise, ils ont du mal à trouver leur milieu et pouvoir relancer propre les Lorientais. Allez, Lorient, vous méritez de vous maintenir. Ah, c'est cool, on est 260. Je pensais qu'on allait être moins pour ce match. Et je pense qu'on sera encore plus dimanche, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, les Lorientais, enfin avec le ballon, avec Mwemba, pardon. Moreira, Mwemba, ils font tourner au milieu de terrain après Lyon central, mais c'est récupéré par les Troyens et par Nivet. Nivet pour Darbion, côté gauche. Attention, Darbion, il va peut-être centrer. Le très bon centre de Darbion, mais c'est repoussé par la défense lorientaise. Un petit peu de mal pour relancer encore une fois. Joukar et Clash. C'est pour la montée. Oui, c'est pour la montée. Un ticket en Ligue 1 ce soir. Et dimanche, bien évidemment. Ça, c'est le match aller. C'est à 3. Et c'est l'équipe de Ligue 1 hein, qui, sur ses barrages, reçoit au retour. Donc, ça sera les Lorientais qui ont fini, je rappelle, un 17e. 18e, pardon, du classement de Ligue 1. 17e, c'est quand, il me semble. Grâce à leur but à la dernière minute. Salut, Elevan. Oui. Non, il s'est pas encore montré, Zulamax Fou. Non, Zulamax Fou va peut-être pas faire ce qu'il fait tous les soirs hein, quand même, le frérot. Alors qu'il y a un coup franc là pour les Troyens à 40 mètres des buts. La transversale de Nivet vers Darbion, c'est bien fait. Obiang, le centre d'Obiang dans la surface de réparation, mais c'est repoussé par la défense lorientaise. À nouveau en difficulté, hein, c'est repoussé par P. Bernès. En touche. Et les Troyens qui sont toujours très haut sur la pelouse. Sourcilien gang. Et la frappe là peut-être troyenne. Hein, passe largement à côté du but de Lecomte. C'est la frappe de Dingomé. Ouais, mais j'aime bien moi MH Boxing qui dit genre chez 3 on a Nivet, le gars de plus de 40 ans, il est encore là. Mais franchement, ouais, j'aime bien moi. J'aime bien Nivet. C'est un gars qui respire le foot, je trouve. Allez, côté droit, les Lorientais qui se font encore bloquer hein, par l'équipe troyenne. Et là, ils sont obligés encore une fois de mettre un long ballon. Et ils vont obtenir la touche là dans le camp, enfin, des Troyens. Mais près de la ligne médiane. Mwemba, Moreira, P. Bernès maintenant. Ils font tourner les Lorientais. Ah, ils ont réussi un petit peu à remonter leur bloc, les Lorientais. L'accélération maintenant des Lorientais.
avec Waris. Waris côté gauche. Waris qui est un petit peu bloqué, qui est obligé de revenir en retrait. Le centre l'orienté dans la surface de réparation, mais ça va être tranquillement récupéré par Samassa. Super tes vidéos, je te kiffe, continue comme ça. Merci Walmart. Et la belle intervention hein, de Samassa, tranquille dans les airs. Le gardien troyen. Ah, on a voulu jouer long là côté troyen, mais ça va être beaucoup trop profond. Et ça va même sortir en 6 mètres pour le compte. Pour l'instant, on sent quand même un petit peu de nervosité. Hein. Quelques erreurs techniques qui font que les actions ne sont pour le moment pas assez fluides pour amener de la vitesse dans le jeu. Lyon-PSG, c'est les féminines. Lance actu. La finale de Ligue des Champions féminines qu'on fera bien évidemment dans le Clubhouse. Ça sera le premier match féminin et ils en sont fiers de le faire. Clairement, plus deux clubs français. Le match il sera bien évidemment sur la TNT. Attention là, le ballon en profondeur là peut-être. Mais non, ça va être récupéré tranquillement par Ayrel qui va laisser sortir en 6 mètres. 6 mètres pour les Troyens qui va être tiré par Samassa. Pas de soucis, on s'actue. Merci Mehdi. Allez. Le 6 mètres. Ah, je vais mettre sur Beansport plutôt. J'étais sur Canal+, je vais mettre sur Beansport. Je préfère. On entend plus les ambiances en fait sur Beansport. Attention. Nivet près de la surface de réparation. Nivet encore. Ah, il perd le ballon là, le Troyen. Le vieux Troyen en bonne récupération là peut-être de Darbion près de la surface de réparation. Mais le ballon qui va sortir à nouveau en 6 mètres. On sent quand même du côté des Troyens. Beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir et de pressing. Ils vont vraiment au pressing quand ils le sentent sur la défense lorientaise. Et là, Lorient qui pour une fois arrive avec le ballon au pied à rentrer dans les 30 mètres Troyens. Et ils vont même obtenir un coup franc légèrement décalé côté gauche à 30 mètres des buts de Samassa. Yeso va se rincer l'œil pour vous les frérots, il y aura du contact et de bonnes gestuelles. T'es pour qui? Je suis pour personne. Putain, j'adore ta voix. Merci Evan. Merci Evan. Oui, oui, oui. Salut, ça va? Il y a moins de gens que hier. Non, je sais pas du tout. Je tiens pas les comptes, pour être honnête. Allez, coup franc pour les l'orienter. Il me semble que c'est Cabot qui va le tirer là, côté gauche. Siani est monté. Il est parti. Premier poteau peut-être. Non, c'est repoussé par Nivet. Et ça revient sur Mbemba. Cabot à nouveau. Cabot, le changement de côté. C'est repoussé par la défense troyenne. Attention, ça s'écroule un petit peu dans la surface là. Il y a eu du contact là dans la surface troyenne. Et Siani qui retente le centre. Mais il y a toujours un joueur au sol côté troyen. Et l'arbitre a décidé d'arrêter le jeu. C'est Irel qui était au sol. Il me semble qu'il a pris un petit coup de coude hein, de la part de Siani. Je devrais faire la Coupe du Monde de 2018. Mais on va la faire. Mais dans le clubhouse. Dans le clubhouse. Merci Martin. C'est le principe. Allez, est-ce que ce soir on va enfin arriver à 47 000 abonnés? Ça c'est l'objectif. Hein. On l'a demandé. On l'espère depuis plusieurs jours. On a du mal à arriver à 47 000. Il y a des étapes comme ça où parfois on a du mal. Pourquoi pas ce soir? Merci Lance Actu comme d'hab. Merci. Ouais, Nyan, c'est un très bon. Hein. Je l'ai vu en préparant le match. Je l'avais vu sur quelques matchs, hein, comme sur le multiplex qu'on avait fait en Ligue 2. Nyan, c'est un vrai bon attaquant. 23 buts cette saison. Les Lorientais vont devoir faire attention à lui. Et j'espère pour les Troyens qu'ils vont monter parce que j'imagine pas qu'il va rester l'année prochaine si Troyes reste en Ligue 2. Ça sera compliqué de le retenir. L'attaquant Troyen. Allez, 3 avec le ballon qui essaye de
de gagner un petit peu de terrain. Ils vont me tenir la touche là dans le camp, l'orienter. 10 minutes de jeu pour le moment. Pas de véritable occasion hein, pour le moment entre ces deux équipes. La touche qui a été jouée, mais c'est récupéré par les Lorientais et par Cabot. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Hein. Je vois des petites notifs là. Ploup, ploup. Merci les frérots. Alors si, il y en a encore beaucoup. Hein. Mais ça dépend des matchs, hein, frérot. Les matchs de Ligue des Champions, c'est 2000 personnes qui s'abonnent. Peu importe, il y a toujours des nouvelles personnes. Et la récupération, là, peut-être de Darbion, mais c'est... Il va commettre une faute, là, finalement, Darbion, sur Moreira. Les Lorientais qui vont obtenir le coup franc dans leur camp. Toujours pas trop d'intensité. Hein. Salut, Doldo. 0-2-0-2 sur Twitch. Et Nivé qui récupère le ballon. Les Troyens, côté droit. Ah, ils ont pas réussi à combiner. Encore les Lorientais qui récupèrent le ballon. Voilà ce qui manque un petit peu du côté Troyen depuis le début du match. Vraiment, sur certaines combinaisons, ils n'arrivent pas à combiner. Ils n'arrivent pas à être précis dans leur passe. Pour vraiment accélérer le jeu, ils font des bonnes récupérations dans les 40 mètres lorientaises. Mais ils n'arrivent pas à enchaîner par la suite, c'est dommage. Moi, mon prono, c'est 0-3 pour Lorient. Ok. Elle était très bonne, ta blague, Betrave. Penalty pour Lyon, Lorient. Allez, Lorient, pour Invisible Foot. Alors qu'il y a un 3, il y a un nouveau sol. Ça, c'est ce qu'on risque de voir ce soir aussi. Beaucoup de contacts entre les deux équipes parce qu'il y a beaucoup de frustration et beaucoup de stress. Et quand tu es stressé, quand tu n'es pas libre dans tes gestes et dans tes mouvements, psychologiquement, ça s'interprète sur ton corps. Et du coup, tu es un petit peu plus rigide. Et du coup, tu commets un petit peu plus de fautes. C'est inconscient, finalement. On lâche un pouce bleu. Alors attends, j'ai pas vu la fin de ton message. On lâche un pouce bleu, on enlève les pouces rouges et on met des commentaires sympas pour Soloed. Merci Walmart. Bah ça va, je me plains pas au niveau des pouces rouges. On est souvent à 90-95% de pouces bleus. Donc pour quelqu'un qui montre pas le match, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Alors que le Troyen s'est relevé. J'ai pas vu c'était qui du côté de 3 alors qu'on approche tout doucement déjà du premier quart d'heure. Pas trop de rythme, hein, toujours. Là on voit Erel qui relance vraiment très doucement sur son milieu. Erel. Et la récupération maintenant de Darbion alors qu'il y a eu un hors-jeu. Du côté troyen, vraiment pas de rythme, hein, pas de rythme pour le moment. On attend que ce match parte un petit peu dans les sens. Peut-être après le premier but, on verra. S'il y a un but l'orienté, j'imagine que les Troyens voudront peut-être avoir un écart, essayer de gagner ce match, avoir un écart important parce que un but l'orienté, hein, je le rappelle, à l'extérieur compte double, bien évidemment, comme en Coupe d'Europe et. Ah mais non, Zola Maxou. Zola Maxou, c'est un taré. C'est quoi ton club préféré? J'y réponds souvent. J'y réponds souvent. Allez, Paris pour T-Max. Très très bon joueur, Youri Tillmans, que je connais depuis longtemps. Je l'ai déjà dit hier sur grâce à Football Manager. Quand j'étais un peu accro à Football Manager, c'est un joueur qui était. Fallait le recruter dès qu'il était jeune et le faire venir dans ton équipe. Et c'est un très très bon joueur, un très bon milieu. J'ai vu ses stats aujourd'hui à Youri Tillmans. C'est un joueur beaucoup plus offensif pour vous dire que Bakayoko, Fabinho ou Moutinho. C'est un joueur qui peut plus marquer, qui peut faire plus de passes décisives. Mais par contre, il récupère un petit peu moins de ballons. Attention, peut-être le super ballon de Nivé là dans la profondeur. Mais c'est récupéré encore par les Lorientais. Ouais, c'est un joueur qui récupère moins de ballons, qui fait moins de travail défensif. Mais par contre, qui est plus intéressant offensivement. Donc c'est plus un joueur box-to-box, comme les Anglais les appellent. Ouais, Robin.
Lui demande pas, Joker. Il veut que ça reste surpris. La surprise. Merci, Kitty. Allez, les Lorientais toujours avec le ballon. Je vous commande pas pour le moment les frérots, hein, parce qu'il se passe pas grand chose. Véritablement, il se passe pas grand chose. Les deux équipes qui essayent de trouver leur repère, finalement, essayent de jouer. Essayent de jouer entre la pression, parce qu'il y a une pression énorme ce soir. Et en même temps, essayer de bien jouer, essayer de trouver des décalages face à l'autre équipe. Pour l'instant, c'est quand même les Troyens qui s'en sortent le mieux, pour être honnête. Allez, côté droit. Oh, c'est bien fait là. Du côté droit, le centre de Confé. Ah, il est pas bon le centre de Confé. C'est récupéré par le Comte dans ses mimines. Et il essaye de relancer rapidement. Là, le Comte, peut-être un contre pour les Lorientais. Avec Cabot, côté droit. L'accélération de Cabot. Cabot qui va rentrer dans les 30 derniers mètres. Le crochet de Cabot. Les passements de jambes. Le centre du gauche maintenant. Deuxième poteau. Elle est complètement ratée. Lui, il lance un Troyen. Il jouait à 3. Hein. Cabot avant. C'est là où il a été un petit peu révélé. Hein, le Troyen. L'ancien Troyen. Et maintenant l'Orienté. Moi, je dis 0-2 Lorient pour Eman. Un petit peu plus Real, Kitty. Mais ça va être très serré, la finale. Elle va être superbe à regarder. Hein. La finale. Je suis content pour vous, vraiment. Je suis content pour vous, les frérots, que cette finale soit en clair. Parce que c'est un match vraiment à regarder. Attention, le bon ballon, encore une fois, de Nivet. Ah, il est trop en profondeur. Mais Nivet, vraiment, le maître du jeu, côté Troyen. Superbe ballon pour grandir. Mais un petit peu trop long, hein, ce ballon en cloche, hein, finalement, de Nivet dans la surface de réparation. Et le Comte a pu la récupérer alors qu'il y a une nouvelle faute. Hein, beaucoup très haché pour l'instant cette première période. Allez, je lâche un petit 1-1 pour le Michuteg. Tu vas me commenter le match Juve-Real? Oui, bien évidemment, je vais le commenter quand même. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la télé du tout et qui m'envoient des messages, qui me remercient tous les jours. Donc rien que pour eux, je veux le faire. Allez, Cabot côté droit. Cabot qui se fait contrer, mais c'est toujours dans les pieds des Lorientais avec Mwemba. Waris s'est repoussé par la défense troyenne, mais c'est récupéré par PVRS. Le Goff. Philippe Otto qui revient sur le Goff. PVRS maintenant. Mwemba, les Lorientais qui font tourner mais qui n'arrivent toujours pas à trouver un véritable point d'appui pour trouver un décalage. Allez, peut-être le Cabot là, côté droit. Mais le bloc Troyen qui est bien en place là. Peut-être Waris qui se fait un petit peu devancer par le Troyen là. Ça traîne un petit peu dans la surface Troyenne. Et c'est finalement, ça va être finalement peut-être repoussé encore. Non, touche. Touche pour les Lorientais près du poteau de corner. Tu vas faire la Jubé. Alors, je sais pas ce que c'est la Jubé pour toi, frérot. Merci, Viken 8. Merci, bienvenue dans le clubhouse. Bienvenue dans le clubhouse. Le match retour, c'est dimanche. Allez, les Troyens à la relance. Le long ballon en touche. Ça serait une touche pour les Lorientais. Et cette touche qui va être faite par Moreira. Perso, je suis pour personne, mais allez, Soudouen. Bah, t'es comme moi, un peu gamer. Je vais faire tous les matchs, que les matchs de l'équipe de France à l'Euro féminin. Je pense. Je pense que je vais me concentrer que sur. Parce qu'il y aura tous les rumeurs du mercato à faire. Donc, j'espère qu'ils iront loin. J'espère une belle performance des Françaises. Et après, à la fin de l'Euro, s'ils vont en finale, juste après, et bah, ça sera le Multiplex Ligue 2, le Multiplex Ligue 1 pour la nouvelle saison. Parce que l'Euro féminin est au mois de juillet. On fera aussi, si la France, je vous le rappelle, est qualifiée en Coupe du Monde U20. Et on fera ces matchs si, en demi. Je pense que c'est des demi. Je pense que je vais faire les demi de la Coupe du Monde U20. Les Français avec... Désolé, mais le match a l'air trop moyen. Pour le moment, mais ça va peut-être venir, frérot. On a la 20e minute de jeu maintenant. Ça va venir. Tranquillement, mais sûrement. Allez, Nivet. Mais pour l'instant, vraiment, les Troyens qui sont plutôt pas mal. Défensivement, le bloc est
plutôt intéressant. Ils arrivent à mettre à mal les offensives lorientaises. Et offensivement, c'est plutôt pas mal, même si là, le ballon de Darbion est dans le dos de Grandzir. Et les Lorientais, on peut récupérer le ballon. Philippe Otto, côté gauche. L'accélération, il rentre dans les 30 derniers mètres. C'est pas mal de la part de Philippe Otto qui fixe là deux défenseurs troyens, mais il perd le ballon maintenant. Grandzir pour Nian. Le ballon profondeur pour Grandzir. Ah, il est trop long, hein, encore une fois, et ça va arriver sur le compte. Voilà le problème hein, pour le moment. Voilà le problème, c'est trop approximatif dans les passes et dans les transmissions du côté des deux équipes, véritablement. Qui, comme je vous le rappelle, hein, ça manque un petit peu voilà, de qualité. Je le dis souvent sur beaucoup de matchs, je le dis. Mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'au début des matchs, la qualité technique. Et encore une fois, là, Pébernès qui met un long ballon, une longue transversale. Et qui a vers Cabot et le ballon qui va sortir directement en 6 mètres pour Samassa. Ouais, je pense qu'un club français peut gagner une Coupe d'Europe, je pense. C'est très difficile, mais je pense. J'espère, parce que j'ai l'impression que l'écart peut entre les grands clubs européens et les moyens clubs européens. Parce que Monaco, Paris, ça reste des moyens clubs, des clubs moyens pour moi. C'est pas Real, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, c'est pas la Juve. Tu vois, il y a un top 5. Et j'ai l'impression que ce top 5. Attention, le ballon là en profondeur, là pour Darbion qui est encore hors jeu. Je disais, ce top 5 commence à prendre quand même de l'écart. Parce qu'on regarde l'année dernière, cette année finale, Real Juve, il y a souvent le Real, il y a souvent le Barça, il y a souvent le Bayern. Ces dernières années, quand tu regardes les finales, c'est presque tout le temps les mêmes équipes. Merci les frérons pour vos messages positifs, ça fait ultra plaisir. Et toujours 0-0 dans ce match. Je rappelle, on est sur les barrages allés de la Ligue 1. Entre le 3ème de la Ligue 2 qui est 3 à domicile ce soir. Et Lorient qui a terminé 18ème de la Ligue 1. Et les deux équipes qui pour le moment ont quand même du mal dans le jeu. Là, l'Orienté ont quand même de plus en plus le ballon. Siani. Pébernès. À 30 mètres du but de Lecomte, il essaie de gagner un petit peu de terrain. Pébernès, il essaie de relancer, mais c'est directement dans les pieds d'un Troyen. Nivé maintenant. Nivé pour Darbion. Côté gauche, le numéro 8, Troyen. Darbion, il est approche de la surface de réparation. Il remet sur Nivé. Merci Romain. Merci Romain pour tes 1€. Alors peut-être une combinaison là sur le côté. Non, ça va sortir en touche. Merci Romain pour tes 1€ du GG pour lui dans le chat. C'est Romain et Jokar qui pour le moment font le feu dans le live. À défaut d'avoir le feu sur le terrain, c'est eux qui font le feu dans le live. Merci les frérots, merci Romain, GG à lui. Oula, il y a eu un gros tac de Cabot. C'était musclé mais c'était pas illicite comme tacle. Et le jeu continue. RL qui met une superbe transversale sur le côté droit pour Confé. Mais c'est repoussé encore une fois par la défense lorientaise. Et ça va même donner un 6 mètres pour le contre. Pour le contre, pardon. Mais superbe transversale au début de RL. C'est dommage que Confé côté droit n'a pas réussi à vraiment contrôler parfaitement son ballon. Angers pour Cyclisme TV. Salut So, tu penses quoi de la Juve? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un très grand club européen. Voilà, il n'y avait pas. C'est un top 5 européen. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Quand tu es dans le top 5 européen, voilà, il n'y a pas trop de trucs négatifs qui peuvent y ressortir. Une grosse équipe, gros club, grosse gestion de la part des dirigeants. Voilà. Ce qui manque un petit peu au PSG. Pour être honnête, tu vois. Il manque quelques trucs, quelques petits points hein, au PSG, à Monaco par exemple. Monaco qui a un moins gros budget, donc c'est encore plus. Même s'ils ont été en demi-finale, mais ça va rien dire. C'est l'équipe. Mais t'as un club derrière. Fais-moi une dédicace.
Alors déjà, il n'y a pas de s'il te plaît. Il n'y a rien. On regarde un match. Non. Non. On est 400 solal. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est pas très important. Parce que du moment qu'on est ensemble, livré, on kiffe. Mais c'est cool. Et Pébernès qui met le ballon en touche, la prise du poteau de corner. Touche pour les Troyens. Obiang. Ah, qui a voulu la donner à Nyan. Mais le ballon qui va sortir en 6 mètres. Encore une fois, hein, pas mal de 6 mètres. Je sais pas, il y a eu combien de 6 mètres là dans cette première période. Mais vraiment, voilà, les transitions, les passes qui vont pas dans les pieds, qui sont trop longs quand ils sont joués en profondeur. Pas mal de défauts hein, pour l'instant dans les deux équipes. Récupération de la Troyenne avec Nivet. Oh là là, le crochet de Nivet là dans le rond central, c'est magnifique. Il le donne maintenant à Darbion. Côté gauche pour Ambiang. Qui est obligé de revenir un petit peu en retrait. Nivet. Grand Cyr avec le ballon maintenant dans les 30 derniers mètres. Grand Cyr, le centre peut-être, il est plutôt intéressant. Oh, c'est dommage. Nyan qui a piqué le ballon à Darbion. Darbion qui était juste derrière lui. En plus, Nyan qui est hors-jeu. Ah, c'est dommage. Hein. Il a peut-être pas entendu Darbion lui dire laisse derrière. Parce que il aurait pu bien contrôler Darbion. Même la reprendre peut-être de volée. Et lui, Nyan avait complètement loupé son contrôle. Et en plus, il était hors-jeu, le Troyen. Ah, c'est dommage, hein, c'était bien parti pour les Troyens. Une belle combinaison au départ, la récupération et la superbe relance de Nivet avait fait. Il avait trouvé finalement un décalage dans la défense lorientaise. Allez, Weiss qui va obtenir la touche, la côté gauche, qui va peut-être être joué par. Par Philippe Otto. Voilà, Philippe Otto pour le Goff. Ça va même revenir sur Siani. Pébernès. C'est en deux matchs. Ouais, Elouan, c'est en deux matchs. Match aller-retour. Oui, je ferai des lives une fois par semaine sur le Mercato en live. Vous inquiétez pas. Allez, Grand Zir. L'accélération, c'est bien fait de la part de Grand Zir. Côté droit, il est face à deux joueurs. Oh, il a tenté quelque chose d'un petit peu compliqué là, Grand Zir. Et s'est fait piquer le ballon là par Philippe Otto. Weiss maintenant dans les 30 derniers mètres. Et la bonne intervention de Giraudon. J'ai envie d'être ton 50 millième abonné. Ah bah, j'espère qu'on arrivera bientôt à 50 000. On est déjà presque à 47 000. Qui sera le 47e millième? Salut GBTT39. Allez, on approche maintenant de la demi-heure de jeu. Toujours rien d'intéressant dans ce match. Toujours pas d'action. On approche. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'on va avoir un vieux 0-0 ce soir. Je n'espère pas. Mais on s'en approche quand même. Pour le moment, une demi-heure de jeu, il n'y a pas beaucoup d'action. Il faudrait peut-être alors qu'il y a eu un coup franc là. Peut-être une action individuelle pourrait débloquer les choses. Mais on a l'impression déjà du côté lorienté, collectivement, c'est vraiment compliqué ce soir. Et du côté troyen, vraiment un. Comme je le dis, je vais me répéter encore, vous allez me dire les frérots, je sais. Mais il manque un petit peu de qualité dans les 30 derniers mètres pour essayer de mettre en difficulté les lorientais. Allez, Weiss. Pour Mbwemba, au milieu de terrain. Obligé de reculer un peu. Il revient un petit peu sur ses appuis. Le Goff pour Philippe Otto. L'accélération de Philippe Otto côté gauche, c'était bien fait.
mais il a été stoppé irrégulièrement là, par Confé. Et ça va donner un coup franc pour les Lorientais qui est plutôt intéressant. Là, côté gauche, près de la ligne de touche, à 30 mètres des buts de Samassa. Béni, ils ont plus de synthétique, Lorient. En fait. Allez. Mais oui, c'est déjà ouf, Joker. Qui gère le match? Je pense que les Lorientais ont la possession. Après, je trouve Troyes un petit peu plus dangereux sur certaines combinaisons. Voilà, ça résume un petit peu. Mais pour l'instant, rien de folichon. Hein. Allez, Cabot au coup franc. Côté gauche, voilà, peut-être sur coup de pied arrêté aussi. Ça peut débloquer un petit peu ce match. C'est parti. Oh, c'est très très mal tiré, mais ça traîne un petit peu dans la surface. Et finalement, c'est Samassa qui récupère le ballon. Tranquillement. Ah ouais, merci Romain. C'est bien ce que je pensais. Lorient qui a la possession, mais qui n'arrive pas trop à savoir ce qu'il faut faire avec le ballon. Et Troyes qui fait les meilleures combinaisons. Mais voilà, ça ne donne pas grand chose pour le moment. Grandzière, côté droit. Darbion. Grandzière encore côté droit. Il est près de la surface de réparation. Il est dans la surface. Il s'écroule un petit peu là face à Siani. Mais l'arbitre ne siffle pas. Il ne conteste pas non plus le Troyen. Et le ballon qui va sortir à nouveau en 6 mètres pour les Lorientais. Ah, c'était une belle combinaison encore. Côté Troyen, là, côté droit. Il y avait Nivet dans le coup, encore une fois. Il y avait Darbion. Darbion aussi qu'on voit pas mal. Hein. Pour le moment, on voit pas trop Nian en pointe. On voit pas mal aussi Grandzière. En fait, les trois milieux offensifs du côté Troyen, c'est ceux qu'on voit le plus. Ouais, je sais, Swan. Bah non, je saute pas. Merci Kitty. Tu penses 2-2? Ah, j'aimerais bien 2-2. Arzetaus Games. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. 2-2. Surtout qu'on a dépassé maintenant la demi-heure de jeu. Donc ça nous ferait pas mal de buts à voir encore. Allez, Le Goff, côté gauche. Siani. Ça marche, OM the best. Le Goff. Loto à Waris. Ça c'est bien fait là. Côté Lorient, il rentre dans les 30 derniers mètres. Waris. Peut-être la frappe de Waris qui est à l'entrée de la surface de réparation. Non, ça arrive de l'autre côté sur Morira. Le superbe centre de Morira. Et s'y repousser finalement par la défense troyenne. Et par Nivet. Enfin, une bonne combinaison. Une très bonne combinaison. Lorientaise qui a donné le centre. Côté droit de Morira. Malheureusement, personne à la réception. Et les Troyens qui sont déjà partis en contre. Et P. Bernès qui relance là complètement. Ça relance complètement loupé. Qui revient sur Obiang côté gauche. Darbion, le centre du gauche maintenant. Et c'est finalement au deuxième poteau. Ça va arriver sur un joueur l'orienté. Et plus précisément sur Philippe Otto. Alors qu'il y a un gros duel là entre Philippe Otto et Grandzière. Et Grandzière qui va obtenir un coup franc. Alors que c'est chaud entre les deux joueurs. C'est vrai que Philippe Otto avait été un petit peu... Alors ils l'ont joué rapidement là les Troyens. Non, l'arbitre qui demande de rejouer ce coup franc. Mais Philippe Otto qui avait été un petit peu rude. Hein. Retrouver Sorel dans l'équipe tous les jours à 20h30. Ça serait ouf. Mais juste pour faire un petit coucou, tu vois. Ouais, c'est vrai, le Zona Max fou. Les piliers. La bourse. Retrouver Sored. Ouais, j'ai vu. Ah, vous voulez voir le calendrier? Attends, on va vivre quand même ce coup franc parce qu'il est très intéressant, ce coup franc du côté troyen, côté droit. Il est tiré, c'est bien tiré, mais c'est repoussé au premier poteau par la défense lorientaise. Attention, ça traîne un petit peu dans la surface, mais finalement, P. Bernès qui met une mine loin devant. Les trois mousquetaires. Et le compte qui maintenant relance loin devant aussi. 35 minutes de jeu.
Oh là là, Nivet, la superbe talonnade, petit pont, c'est exceptionnel. Ce qu'a fait Nivet sur le Lorienté, la talonnade, petit pont pour Darbion. Et Nivet encore avec Darbion, la combinaison entre les deux joueurs. Mais c'est repoussé à nouveau par la défense lorientaise. Obiang. Côté gauche, c'est repoussé en corner, en touche par Cabot. Le centre là, peut-être pour Nivet. Oh, la parade, le compte. Et ça revient sur Darbion. L'ouverture du score troyenne. 1-0 pour les joueurs de Ligue 2. Et c'est Darbion qui ouvre le score. Et c'est mérité pour les Troyens, qui ont été les plus dangereux dans cette première période. Et c'est Darbion qui ouvre le score. Après une première tentative de Nivet arrêtée par le compte. Et finalement, c'est Darbion qui la reprend et qui la met au fond. 1-0 pour les Troyens face à Lorient. Ah, c'est dommage que c'est pas Nivet, parce qu'il fait un super match pour le moment. Nivet et 1-0 pour les Troyens. But de Darbion. J'ai misé 250€ sur 3. Et bah toi, pour le moment, t'es bien, frérot. T'es très très bien. Limite, les abonnés sont là pour la grenadine légendaire. Là. Alors que l'entraîneur, l'orienté, il est pas bien. Il est pas bien là. Mais c'est clairement mérité, hein. Vraiment. Il le méritait. Il manquait quelque chose du côté troyen. Ils arrivaient bien à exploiter vraiment les côtés. Ils n'arrivaient pas à trouver du monde dans la surface de réparation. Finalement, Nivet et Darbion, là, se sont projetés dans la surface de réparation. Il y a eu du monde. Ils étaient trois avec Nyan. Et ses premières réceptions, c'est Nivet. Il tire, il reprend le centre. Mais le compte la repousse sur, malheureusement, Darbion pour les Lorientais. Et Darbion qui finit l'action. Et qui ouvre le score donc pour les Troyens. 1-0, je rappelle. Alors pour le moment, j'avais donné mon pronostic au début du match. 2-0 pour les Troyens. Pour l'instant, c'est pas mal. Mais c'est pas terminé. Ah, j'ai marqué Darbio. Darbio. C'est un Serbe, Darbio. Ouais, match retour dimanche. Donc rien n'est fait avec ce but. Hein, ça veut rien dire. Hein. Reste beaucoup, beaucoup de temps. Il reste un match et demi, on va dire. Plus d'un match et demi. Allez, Cabot, côté droit. Mwemba. Waris. Les Lorientais, comment ils vont réagir psychologiquement là dans ce match? Comment revenir à 7 minutes de la pause? Peut-être marquer un but avant la mi-temps. Ça serait très intéressant pour les Lorientais de marquer avant la mi-temps. Pour le but à l'extérieur. Ah, ils vont devoir aller le chercher maintenant. Ils vont devoir aller le chercher, le but à l'extérieur. Le match est peut-être véritablement lancé avec ce but de Darbion. Et le coup franc là, tiré par Cabot. Ah, il est mal tiré, mais attention, ça revient dans les pieds. L'orienté avec Mwemba à l'extérieur du pied pour Siani, mais c'est repoussé par la défense troyenne. Mais dans les pieds de Philippe Otto, côté gauche. Philippe Otto, encore, les passements de jambes, le centre, il est bon, et se repousser encore une fois par la défense troyenne. Et Darbion maintenant qui peut relancer son Nivet, mais récupéré par Mwemba. Moreira, côté droit, pour Cabot. Cabot, le petit pont, il va obtenir un bon coup franc, là, Cabot. Après cette faute d'Obiang sur l'ancien troyen. La grosse... Ah voilà, grosse semelle sur le pied là de la part d'Obiang. Elle est pas loin du jaune là, Obiang. Philippe Otto, frérot. Allez, coup franc pour les Lorientais, tiré par Cabot, c'est repoussé par la défense troyenne. Et c'est récupéré par Philippe Otto. Le centre de Philippe Otto. Ça revient sur Cabot. Mais Obiang qui récupère le ballon et qui va pouvoir relancer les Troyens. Oh là, bien joué le crochet là d'Obiang pour effacer Cabot et relancer. Mais par contre, sa relance est complètement loupée. Et c'est Moreira qui va...
qui va effectuer la touche. Bouemba. Jeannot, le centre de Jeannot. Il y a eu peut-être une main là dans la surface de réparation là côté troyen. Mais c'est une main involontaire, on verra ça au ralenti. Et la bonne sortie de la défense troyenne qui subit, ils subissent un petit peu là les troyens. Mais ils arrivent à bien défendre. Enivé à la relance pour Granzir. Obiang. Le ballon peut-être pour Nian, mais pff, elle est trop longue encore une fois. Et c'est Lecomte qui peut récupérer le ballon. 4 minutes de la mi-temps. Tu y es presque. Ouais, 10 personnes. 10 personnes et on est 47 000. Et le long ballon en profondeur pour Kaboua. C'est trop long. Et ça va sortir en touche pour les Troyens. Oh là là, Nivé d'Arbion. C'est pas d'un super grand niveau, mais c'est très intelligent. C'est dommage qu'il manque un petit peu de vitesse. Hein. Mais on connaît l'âge de Nivé. Mais quelle activité technique, quelle intelligence de la part du Troyen. Philippe Otto, côté droit, c'est bien fait. Le centre de Philippe Otto, mais c'est encore une fois trop long. Et c'est récupéré par Samassa. On veut la Ligue 1 pour 3. 3 en Ligue 1, 18 points. Waouh! Ouais, mais ça veut rien dire. Je sais pas, JB Tetti. Je sais pas du tout. Quelques-uns. J'en ai déjà vu. Non, mais. Eh, Benny Walker! Je trompe pas mes mots. J'ai dit que c'était pas Xavi, tu vois. Quand je dis que c'est pas un grand niveau, c'est pas Xavi, tu vois ce que je veux dire? Oh là là, pourquoi tu prends directement là? En plus, je dis, il est hyper intelligent, il est hyper technique. Oh là là, mec. Il manque un petit peu de vitesse, de rapidité, tu vois, d'appui. Pourquoi toujours vouloir choper la petite bête? Tranquille, les frérots, tranquille. Ton favori? Bah, pour moi, mon favori, je l'ai dit au début du... Je l'ai dit au début du match, c'était 3. Parce que je rappelle la statistique, 71% des cas où il y a un barrage entre Ligue 2 et Ligue 1 sur un match retour, 71% des cas, c'est l'équipe de Ligue 2 qui passe. Si tu rigoles, c'est mieux que Xavi. Allez, 6 mètres là pour les Lorientais, pour les Troyens, parlons. Le long ballon vers Nian, mais c'est récupéré par Cabot. Cabot pressé qui perd le ballon et ça va être une touche pour les Troyens à 30 mètres des buts de Lecomte. Merci à Kitty. Nian qui va perdre le ballon là, c'est repoussé par Moreira. Et ça va être récupéré maintenant par Le Goff, côté gauche. Le Goff qui est près de la ligne médiane. Qui va la mettre à l'Ottawa dans le rond central. Siani, il est l'orienté à la relance. Là, il y avait un petit peu plus de rapidité dans le jeu. Là, depuis quelques minutes, ça retombe un petit peu. Allez, peut-être là, Cabot, côté droit. Cabot pour Moreira, mais c'est récupéré par la défense centrale. La Troyenne qui préfère la mettre en touche, de gérer un petit peu. Cabot pour Moreira. Pibernes, Siani. 3 est à droit, à Lorient est à Lorient est à l'ouest. Oh non mais sérieux les blagues les frérots. Alors qu'on approche là, on est à 2 secondes du temps additionnel et peut-être la récupération de Mvuemba. Ah, il est pas bon le ballon de Mvuemba pour Waris, c'était peut-être la dernière occasion. Il reste 1 minute. Cabot, côté droit. 46 999, c'est pas encore 47 000. On attend le qui va être le 47 000e abonné du Clubhouse, les frérots. Cabot, côté droit. L'accélération, les passements de jambes. Oh, le petit bon, c'est bien fait de la part de Cabot qui continue. Mais qui est repris par Obiang.
Mais c'était super ce qu'avait fait sur le côté. Cabot. Alors qu'on est 47 000 et c'est de la poudre de perlimpinpin le 47 millième. C'est dur à dire. Abonné du Clubhouse, merci à vous, du GG dans le chat les frérots. Du GG pour vous. En plus ça arrive pile au moment où l'arbitre siffle la mi-temps. 1-0 pour les Troyens. Ça y est, je suis bouleversé. Vous me bouleversez les frérots. 1-0 pour les Troyens à la pause. 1-0 pour les Troyens face à Lorient. Pour l'instant, 3 prend une toute petite option sur son ticket pour la Ligue 1. Et merci à vous les frérots parce que juste avant cette mi-temps, on est passé à 47 000. On est déjà 47 000. 23 abonnés. Vous êtes les meilleurs les frérots. Merci à vous. Merci véritablement à vous. Les frérots, on est 47 000, je veux voir du GG, je veux voir des smileys, je veux que le chat soit autant PLS, on est 473. Soyez chaud, comme je le suis les frérots. Dab, oui je vais daber, oui je vais daber. Et après je vais prendre ma pause de 5 minutes comme d'habitude les frérots. Voilà, et puis on partira sur la deuxième période. Merci à vous les frérots, le dab. Brrr. Le dab trop chum. Merci à vous les frérots pour les 47 000 abonnés. On se retrouve juste après ma pause. Pour la deuxième période, on parlera un petit peu de cette première période qui a été un petit peu décevante pour le moment. Mais 3 mène 1-0 et le mérite pour le moment. A tout de suite, à dans 5 minutes les frérots. Parlez entre vous hein, dans le chat, on est tranquille. Ou sinon vous rejoignez le Discord. Allez salut, à tout de suite, à dans 5 minutes pour la deuxième période. A tout de suite.
De retour, il y a eu un petit bug. De retour les frérots pour la deuxième période de ce 3 contre Lorient. Barrage aller pour un ticket en Ligue 1. Le retour se fera dimanche soir. On le fera bien évidemment, dans le clubhouse. 3 mène pour le moment 1-0 alors que j'ai pas stoppé le chrono. On va mettre reset the chrono, reset timer. On va le mettre à 45. La mi-temps va reprendre dans 7 minutes tranquillement. On a le temps de parler entre nous. Mr. Graff, merci. Dans ma carrière, Lorient est 3ème alors qu'en réalité c'est en Ligue 2. Ah, ça bug. De quoi qui bug? Qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qu'il bug? Allez, 3 pour The Gizmo. Re Invisible Foot. Alors que j'ai plus vos messages. What the fuck? Je vais relancer le chat. Ça va les frérots ou pas? Ça va les frérots ou pas? On est encore 332. Hein. Merci à vous. On a passé les 47 000. Hein. Vous êtes les meilleurs. Ah, tu gères. Débat sur la finale samedi. Tu veux faire un petit débat? Vous voulez faire un petit débat? Ça bug, tu parles deux voix. Vous entendez deux voix? Ça bug ou pas les frérots? Marquez plus 1 si ça bug pas. Oui, Chloé, t'aimes bien le SCO d'Angers? J'ai pas d'avis particulier sur le SCO. C'est plutôt une bonne équipe. Lorient, ils ont bien joué ou pas? Ouais, ça bug pas. Ouais, ça bug pas. T'es le meilleur, merci Owen. GG Tavilio, merci Solal. Dis allez l'OM. Ok, ça marche. Plein de plus 1, merci les frérots. Schrostad dimanche pour le retour. Yeah, t'as de la chance, Invisible Foot. Non, ça bug pas. Ok. Du coup, sur la première mi-temps, c'est vrai qu'on s'est un petit peu embêté. Malgré que 3 a ouvert le score. C'est pas un match très ouvert, c'est pas un match d'une qualité mirobolante pour le moment. On sent quand même qu'il y a de la pression derrière. Hein. Véritablement, on sent les visages, surtout les visages sont fermés du côté des deux équipes. Ça va faire du bien aux Troyens d'avoir ouvert le score. On va voir comment Lorient va revenir des vestiaires. Donc voilà pour le moment. C'est quand le prochain dab? C'est tous les 100 abonnés. Tu connais le club africain? Le club africain. Lequel? Il me semble qu'il n'y a pas un club qui s'appelle le club africain d'ailleurs. Strasbourg est en Ligue 1 ou pas? Oui, ils ont fini premier. Tais-toi avec le PSG, on va vous mettre une branlée. Ça va être dur quand même pour Angers. Hein. C'est quand France Paris? Oui, c'est vendredi de la semaine prochaine. Je pense que pour la finale de la Coupe de France, ça va être très dur quand même pour Angers. Mais je vois quand même un match ouvert. On verra. Tu es pour qui? Je suis pour personne. Voilà, encore une fois. Site de Tunisie. Ouais, c'est ce qui me semblait. Salut, ça va très bien, Nathan. Et toi, le club de Mulhouse est-il en Ligue 1? Non. Les petits merlus, bougez-vous le cul. Et voilà, c'est le mot d'ordre. Ça va être le mot d'ordre en deuxième période. Il y a la motivation. Oui, je pense qu'il y aura la motivation aussi du côté des Angevins. Après, il y aura aussi, je pense, la motivation du côté des Parisiens qui a pris une saison moyenne, moyenne par rapport à leur standing. Je pense quand même qu'il y aura une motivation de gagner ce trophée. Voilà. C'est quand PSG Angers, c'est samedi. Et samedi, il y aura aussi la FA Cup qu'on fera ensemble. Chelsea-Arsenal. Il faut que 3 prenne un sérieux avantage ce soir car le retour au moustoir va être difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'ils gèrent cette seconde période. Les Lorientais vont, je pense, peut-être essayer de moins marquer un but à l'extérieur. On pourrait avoir plus d'agitation en seconde période. Merci Fares, comme d'habitude. Tu vas mettre le match sur le live. Kadir, je t'en prie, regarde la description sur Twitch. Tu es le meilleur, merci Fitmax. J'ai hâte qu'il y ait la finale de la Ligue des Champions. Je rappelle qu'à la mi-temps de cette finale, on tirera au sort les 5 gagnants du concours pour gagner les 5 maillots. D'accord? Donc si vous n'avez pas encore participé, c'est sur mon Facebook, c'est sur mon Twitter. Je rappelle qu'on est 830 sur mon Twitter. Si vous voulez une FAQ, c'est à partir de 1000 followers. Donc on va bientôt les atteindre si vous n'êtes pas encore un follower du Clubhouse sur Twitter, n'hésitez pas à y aller. Tout le monde est pour Lorient. Non, il y a des supporters de 3 quand même.
La Juve vont gagner l'UEFA Champions League. On verra, on verra, on verra. Ça va être très très serré pour moi. C'est des équipes, deux équipes qui ont bien réussi leur saison. Les deux équipes sont championnes de leur championnat respectif. Ça va être un match de feu. Ça va être un match de feu. Voilà. Salut à toutes les personnes qui nous rejoignent, les frérots. Merci. Et si vous ne connaissez pas encore Clubhouse, allez checker la description. Tout est marqué dessus. Hein, les potos. Pour ceux qui demandent pourquoi tu ne montes pas le match, etc. etc. Merci Terry Kevin. Tu bugs. Non, normalement je bug pas. Tu dis que Marseille va gagner l'Europa League. Non, je pense pas. Chacun son avis, Seb. Monsieur, tu es pour qui ? Ne m'appelle pas monsieur. Mais c'est, on est tranquille, on a la cool. M'appelle pas monsieur. Je suis pour personne. Lyon, la Lacazette. Bah, la Lacazette sera plus à Lyon, je pense, la saison prochaine. Tu crois en 3 ? Oui, oui, mon favori reste 3. J'avais donné comme prono au début du match 2-0. Donc pour l'instant, c'est encore possible. Qui est pour quand ? J'habite à Lisieux, si tu connais, frérot. Bah, Sébastien, si t'aimes pas, au pire, tu t'en vas. Hein. Salut Valentin, ça va Valentin ? Supporter de Malherbe ? Pas moi. Soleil, Juve ou Real ? Arrêtez de me poser ce genre de questions, les frérots. Vous savez bien que je reste objectif quand il le faut. Voilà. Lorient mérite la Ligue 1. Oui, mais après, c'est dur que de dire que 3 le mérite pas. J'adore ton concept. Merci, Fitmax. Tu crois que 3 a sa place en Ligue 1? Oui. Faut pas les juger par rapport à la saison d'il y a 2 ans, même s'ils avaient pris cher. Hein. On se rappelle du match contre Paris. Je sais plus combien ils avaient perdu. 9-0, un truc comme ça. Mais bon. LOL, 3 sont en Ligue 1. Ils terminent 20e. Mais non, mais sur une saison sur une autre, ça veut rien dire. Ça veut dire que Monaco pour toi sera champion à chaque fois alors. Merci Invisible Foot. Si c'était joué d'avance, si 3 montent en Ligue 1 et c'est joué d'avance qui termineront 20e, ça serait plus du foot, ça serait des maths, ça serait nul. Enfin voilà quoi, c'est pas des mathématiques, c'est pas parce que tu loupes une saison une fois il y a 2 ans que tu vas encore louper ta saison si tu montes cette année. Merci Lucas. Je crois quand même au retour des Lorientais. Oui, oui, c'est possible aussi, c'est possible. Mais il va falloir qu'ils se bougent le cul. Il va falloir qu'ils se bougent le cul et qu'ils soient plus créatifs et moins craintifs. Parce que là, ils sont très craintifs, hein, les Lorientais. 500 à peu près, Terry Kevin, pour les maillots. 500 personnes ont joué. Merci, Thomas. Ça fait plaisir. Bonjour, le Lexo vient. Allez, les frérots, les joueurs reviennent sur la pelouse. On va reprendre tranquillement ce live. La deuxième période, je rappelle, 3 mènes 1-0 dans ce barrage entre équipe de Ligue 2 et équipe de Ligue 1. 3 qui avait fini, je le rappelle, 3e de Ligue 2 après une fin de saison de malade, en Ligue 2. Et Lorient a fini à 18e. Pour ceux qui veulent, voilà une petite anecdote. Il n'y avait pas eu de barrage depuis 93. Hein, je l'ai posé sur Twitter. C'était 94 qui avait gagné. Mais finalement, c'est en 93 la dernière fois où il y a eu des barrages. Et voilà, c'était entre Cannes et Valenciennes. Et d'ailleurs, dans l'équipe de Cannes, est-ce que vous pouvez me dire un joueur qui est sur l'équipe, qui est dans l'équipe du soir et qui jouait à Cannes. Si vous pouvez me trouver ce joueur-là, qui a fait ce barrage, qui joue à Cannes et qui est dans l'équipe du soir maintenant. Allez, le match qui est reparti, j'ai même pas lancé le chrono. Les frérots, hop, on va mettre 45-30. Et on va attendre que ça arrive. Et c'est parti. Parce que le rugby, je m'y connais pas assez. Attention, Waris. Dans les 30 mètres, Waris pour Jeannot, mais c'est récupéré ici peut-être la frappe de Jeannot, mais ça va sortir en corner pour les Lorientais qui reviennent sur le terrain avec un bloc un petit peu plus haut hein, quand même. Miku, voilà, c'est je crois que c'est Cyclisme qui a trouvé en premier. Johan Miku. Alors qu'on va suivre quand même le corner Lorientais là au premier poteau, c'est pas très bien tiré.
Mais c'est repoussé par, par Nivet en corner. Il y avait peut-être une faute là sur le Troyen. Merde, j'arrive pas à retrouver le message. Ouais, c'était Miku. Bah, c'est Cyclisme TV qui l'a trouvé. Miku. Attention, le corner qui est reparti. C'est repoussé un nouveau par Nivet. Mais là, cette fois-ci, on touche. Touche pour l'orienter. Près de la surface de réparation. Cette touche qui va être effectuée par Moreira. Waris, mais c'est récupéré par les Troyens. Et les Troyens peut-être en contre. Le ballon pour Bonian, mais c'est récupéré par Lorient. Et tout de suite, et par Pébernès, plus précisément. Qui relance sur Le Goff. Le Goff qui cherche une solution. Les Lorientais qui font tourner. Toujours avec ce manque d'intensité hein, dans les passes, dans les transmissions, dans leur combinaison. Pébernès. Siani. Siani, le long ballon vers Cabot. Cabot qui laisse passer la balle et qui est côté droit. Le ballon qui est sorti en touche là. Mauvaise conduite de balle de la part de Cabot. Le ballon sort en touche près du poteau de corner pour les Troyens. Allez, la touche. Nouvelle touche pour les Troyens. Ils ont gagné un petit peu de terrain. Je suis pour personne. Voilà. Pour être clair. Je ne suis pour personne, les frérots. Tiens, on va refaire un petit sondage, les frérots. Tout à l'heure, je vous demandais pour quelle équipe vous êtes. Maintenant, vous allez me donner, maintenant qu'il y a 1-0 pour les Troyens, vous me donnez votre pronostic. Alors, peut-être qu'il y a une action là pour les Troyens. Avec Darbion. Darbion dans les 30 derniers mètres. Darbion qui se décale maintenant côté droit. Darbion toujours. Il garde le ballon dans les pieds. Azamoum, le centre au deuxième poteau. Grand Sia face à Moreira, maintenant côté gauche. Les Troyens qui font un petit peu le tour du bloc l'orienté. Ils n'arrivent pas à trouver vraiment de solution. Ils gardent le ballon, Grand Sia. Grand Sia, toujours côté gauche, mais bonne récupération de Moreira. Et les l'orienté à la relance, mais pas pour longtemps. C'est récupéré par les Troyens avec Nivet. Ah, la talonnade là, de Nivet, il a voulu peut-être en faire trop. Mais il a récupéré le ballon après un superbe effort. Mais c'est déjà récupéré par les Lorientais. Voilà, ça résume un petit peu ce match. Beaucoup de pertes de balles et beaucoup de récupération. Waris à l'accélération. C'est déjà de l'autre côté. Waris à l'accélération, mais il perd le ballon. Et les Troyens qui peuvent se relancer maintenant. 3-1, 1 partout, 4-1 pour le Hoffmann. Bonsoir Maceo. Et ça repart de l'autre côté. Ah, c'est un petit peu plus agité dans cette seconde période. Et là, les Troyens qui préfèrent un petit peu gérer, de temporiser. Qu'on fait Darbion. Qu'on fait. De partout pour Théo. 3-0 pour Lucas. 2-0 pour Kevin. Victoire de 3 pour Futmax. Thomas, 7-0. Un peu compliqué le 7-0. 2-0 pour Picasso. 2-0 pour Martial. Allez, le ballon pour Darmion qui va rentrer dans les 25 derniers mètres. La frappe de Darmion. Mais le compte qui est sur la trajectoire. Et c'est pas compliqué à arrêter ce ballon-là pour le compte. La frappe était sur lui. Frappe du gauche de Darmion du mauvais pied. Malheureusement pour les Troyens, pas assez sur le côté. Hein, vraiment trop dans l'axe cette frappe. Qui pourtant partait bien. Mais sa trajectoire... Pas la meilleure. Il aurait peut-être dû, au lieu de frapper en force, Darbion peut-être chercher l'intérieur du pied, chercher la lucarne opposée. Allez, Waris côté droit. Les Lorientais qui sont à l'attaque. Waris toujours qui va même obtenir un coup franc là, côté droit, près de la surface de réparation, près de la ligne de touche. 50e minute de jeu. Il reste 40 minutes aux Lorientais pour égaliser. Il reste 40 minutes aux Troyens pour confirmer leur victoire. Et peut-être aller chercher le deuxième but. Non, Ivan. Allez, coup franc. Pour les Lorientais, il est très intéressant. Hein, ce coup franc, on va le suivre hein, avec intérêt. C'est Mwamba qui va le tirer.
Avec son pied droit, il est bien parti. La tête et la parade. La parade exceptionnelle de Samassa sur la tête de Siani. Quel coup de boule de Siani au point de pénalty. Et quelle parade de Samassa. La claquette et le ballon qui sort au corner. Quelle occasion pour les Lorientais d'égaliser. Encore une fois, dommage hein, que le ballon était un petit peu trop sur Samassa. Et corner, à nouveau, tiré par Mvuemba, mais c'est repoussé par la défense troyenne. Ah, elle est superbe, la parade là de Samassa. La petite claquette qui va bien pour la photo. Mais aussi très... Très, voilà, j'en perds mes mots. Comme d'habitude. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est parfait. RIP. Yo, arc-en-ciel. Alors, on revoit là cette superbe. Le coup de boule qui met Siani dans le ballon. Bré. Et la grosse parade de Samassa. Salut Marco Verratti. Allez Lorient pour Gwendal. Tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Merci Fitmax. Allez Camp pour Clash. Allez Samassa qui peut relancer après avoir sauvé son équipe. Nivet. Les Troyens à l'attaque maintenant. Obiang côté gauche. Avec Grandzir. Mais le ballon qui va sortir en touche. Repoussé par Pévernès. À 35 mètres, la touche là pour les Troyens. Ça va très bien, Gwendal. Allez, les Lorientais qui peuvent se relancer maintenant. Morera. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, les frérots. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci, Clément. C'est fait pour ça. Ah, vous êtes super gentils ce soir. Hein. Beaucoup de messages d'amour. Ah, je suis déjà pris, hein. Classe, je te kiffe. Ah, je suis déjà pris. Hein. Allez, les Lorientais qui font tourner. Et voilà, c'est peut-être une solution hein, pour eux, les coups de pied arrêtés. Comme on l'a vu là avec Siani. Et le long ballon à nouveau pour Waris. Hein, mais c'est pas très bien joué. Hein. Waris, c'est pas un joueur qu'il faut... Il faut mettre des longs ballons comme ça là, jouer à la tête avec Erel, ça va être compliqué pour Waris avec sa petite taille. Plus jouer dans les pieds ou dans la profondeur, mais pas le chercher pour moi en pivot. Allez, Cabo sur le côté pour Morera. Côté droit, Morera près de la surface de réparation. Il est face à Obiang, il arrive à la donner à Mbemba. À nouveau Morera, mais qui perd le ballon et c'est récupéré par Nivet maintenant. Nivet peut-être en contre, mais l'intelligence là de Nivet qui préfère temporiser. Oh là, quel relance de Nivet. Ah, c'est pas très bien fait après de la part de Darmian qui récupère, qui perd le ballon. Et c'est récupéré par Jeannot. Oh, la frappe de Jeannot à 25 mètres des buts qui a complètement loupé là de la part de l'attaquant l'orienté. Le numéro 22 et la frappe, oh là là, est complètement loupée. Prise de l'extérieur, elle passe au moins 7 mètres à côté du but de Samassa. Ouais, il mérite d'être regardé. Parce que ce match, c'est normal qu'il ait un petit peu... Il y a beaucoup de pression sur le match aller. Hein. Le match retour, je pense qu'il va être un peu plus ouvert. Je pense. Donc dimanche, vraiment, faudra regarder. Après, je m'attendais pas à voir autant de personnes encore une fois ce soir. Donc c'est vraiment cool. Mais dimanche faudra être présent. Dimanche faudra vraiment être présent parce que alors que Mesloup vient de rentrer à la place de Cabo qui n'était pas le joueur le moins intéressant du match et l'entraîneur l'orienté qui préfère le sortir pour faire rentrer le l'orienté Mesloup. Ouais, moi aussi c'était ça Tino. Allez, touche pour l'île orientée. Mesloup pour son premier ballon.
Moreira pour Pébernès qui dégage loin devant. Et ça va être récupéré tranquillement par les Lorientais. On approche de l'heure de jeu maintenant. Peut-être un visible foot. Ça dépend. Je sais pas encore. Attention, le ballon en profondeur. Il est bon peut-être là pour Nial. Mais le compte qui est bien sorti. Ah, ça me saoule. J'aime bien avoir les gros matchs où je vous commente ça. Je suis presque pas en sueur. Un petit peu, mais presque pas. Je veux me donner à fond pour vous, les frérots. Pour le moment, je peux pas trop me donner. Pas assez d'action, de folie dans ce match. C'est ce qu'il manque du côté des deux équipes. Pas assez d'insouciance. Trop, ça se passe trop dans la tête pour le moment. Avec Waris, là, côté droit. Mesloub, qui touche pas mal de ballons depuis son entrée. Mesloub à nouveau, qui revient vers Siani. Le Goff pour Philippe Otto, l'accélération de Philippe Otto, mais le ballon qui va sortir en touche. Touche pour les Troyens. Ouais, moi, Nicolas, ça me surprend aussi. Allez, on va reprendre un petit peu de grenadine, le frérot. Allez, le long dégagement là de Samassa pendant que je buvais un petit peu de grenadine. Les Troyens avec la balle. Ils essaient d'attaquer, mais c'est récupéré par les Lorientais. Le long ballon en profondeur là pour Jeannot. Il va peut-être rentrer dans la surface. Jeannot encore. Jeannot peut-être la frappe. La frappe de Jeannot. Mais malheureusement, elle va le sortir en 6 mètres. La frappe qui est petit filet du but de Samassa sur un long ballon. Hein. Là, Philippe Otto qui a eu de la réussite. Il a eu de la réussite sur sa conduite de balle. Il a eu les contres favorables. Ouais, plus d'agressivité, mais aussi plus de qualité. De qualité. Bah, c'est un peu le mot d'ordre ce soir. Le mot d'ordre ce soir, c'est manque de qualité technique, manque de rapidité. Manque. Mais ça, c'est le pied qui tremble. C'est le pied qui tremble. C'est la pression. Allez, touche pour les Troyens. Maintenant à 30 mètres des buts. Darbion qui perd le ballon. Il commence à pas mal perdre de ballons. Hein. Là, Darbion, depuis la seconde période. Salut, monsieur Courtois. Allez, Confé qui revient en retrait jusqu'à Samassa. Samassa qui met un long ballon loin devant. Vernian. Mais c'est récupéré par Mesloub. Le Goff, Siani. Les Lorientais à la relance. Faut que Lorient reste en Ligue 1. 3 va se faire démonter comme l'autre fois. Oh. Ouais, c'est un match à très, très gros enjeux hein, pour moi. Il y a beaucoup de pression. Pour des petits clubs comme ça, c'est pas quand je dis petits clubs, c'est pas péjoratif. Hein. Mais pour des petits clubs comme ça, jouer en Ligue 1, jouer en Ligue 2, le budget, ça peut te mettre sur une mauvaise dynamique. Allez, le ballon là pour les Troyens à la relance. Darbion. Ouais, Moukanjo, ouais, il manque. Devant, ça se sent. Tout se joue dans la tête. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand je vous donne la stat, 71%, 71% des équipes de Ligue 2 sur un barrage passent. C'est que finalement, quand t'es l'équipe de Ligue 1, t'as beaucoup plus de pression que l'équipe de Ligue 2. L'équipe de Ligue 2, souvent, elle a fait une belle saison. Elle a terminé 3ème. Elle est sur une bonne dynamique. Alors que l'équipe de Ligue 2 est sur une mauvaise dynamique. Elle est... Elle a perdu pas mal de matchs. Par exemple, les Lorientais restent sur 3 défaites à l'extérieur. Donc, tu es sur une mauvaise dynamique. Donc, ça réduit déjà l'écart psychologique et de qualité, du coup,
entre les deux équipes malgré la division d'écart. Mais pour l'instant, vraiment pas, à part le but et quelques actions, quelques combinaisons, véritablement, c'est un match pauvre, pauvre pour le moment. Après, rien n'est terminé. Et puis, on sent quand même qu'il y a de la qualité hein, dans les deux équipes. On sent qu'il peut se passer quelque chose. Mais il manque un ingrédient pour le moment qui me permettra de partir et perdre ma voix, comme vous aimez que je fasse. Mais je vous mentirai jamais, les frérots. Alors qu'il y a peut-être. Oh, le superbe contrôle là de Philippe Poteau. Dans la surface de réparation, le centre en retrait. Ah là 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 là, voilà. Voilà, le centre en retrait complètement loupé de la part de Philippe Poteau. C'est repoussé par la défense troyenne. Mais ça revient déjà. Avec le Goff, côté gauche, près de la surface de réparation. Qui trouve un superbe ballon pour Philippe Poteau. Philippe Poteau pour Jeannot. Mais c'est récupéré à nouveau par les Troyens. Voilà ce qui manque. Maintenant, un petit peu côté l'orienté toujours. Maintenant toujours. C'est vraiment le dernier ingrédient, la dernière passe, l'avant-dernière passe. Alors que voilà, les supporters à l'orienter, le demander. Il va faire son entrée. Moukandjo va rentrer à la place de Jeannot. Peut-être un remplacement décisif pour les l'orienter. Salut Fares. Moi aussi j'aime bien. Yo, Flankerman! Allez, voilà le changement qui va avoir lieu. Jeannot qui fait sa sortie. Et Moukandjo qui va rentrer. Ouais, Moukandjo qui vient rentrer. Bah, il est un petit peu plus aussi physique, Moukandjo. Peut plus gagner des duels sur sa rapidité et sur son physique. Donc c'est un changement plutôt intéressant hein, du côté de l'orienté. Après, à voir comment il l'utilise. Hein, est-ce qu'ils vont le chercher sur des longs ballons? Alors qu'il touche son premier ballon là, Moukandjo. Le Goff pour Philippe Poteau. Côté gauche. Mesloub. Siani. Les Lorientais qui font un nouveau tourner. Lotoa maintenant. Pébernès. Ah, les Lorientais qui sont très hauts là sur le terrain. Mvemba. Côté droit. Pour Morera. Ah, Morera qui est pris un petit peu. Il est obligé de reculer. Le Lorientais rejoue avec Mvemba. Bien pris encore une fois. Ils sont à une prise à deux là sur Mvemba qui perd le ballon. Et du coup les Troyens qui vont obtenir un coup franc et qui le jouent rapidement pour partir en contre. Oh, c'est bien fait. Oh, bien. Bonne défense de Pébernès qui va même obtenir un coup franc derrière. Yo frérot, allez 3 pour Flankerman. Mais on s'en fout, yes boss! Oh là là, ça sert à rien en plus de raid. Putain, les gars. Balancez pas des messages comme ça. Vous me faites des pubs pour rien. Si les gens ils veulent venir sur son vote live, ils vont venir. Hein. Merci, Makeo. Thierry Roland. J'aimais bien Thierry Roland. Je l'ai déjà vu en plus en vrai, Thierry Roland. Mesloub qui change de côté. Pour Mvemba, mais c'est récupéré par les Troyens. Pas pour longtemps, parce que les Lorientais la récupèrent. Ah, ils perdent mauvaise passe encore et ça va sortir en touche. Merci, Flankerman. Qu'est-ce que vous pensez pour ceux qui voient le match? Qu'est-ce que vous pensez du match pour le moment, les frérots? Déjà, plus 1 pour ceux qui regardent le match. Et après, vous mettez une note sur 10. Plus 1, plus la note sur 10 pour ceux qui voient le match. Pour l'instant, moi, en note sur 10, je donnerais
4,5. C'est dur, 5. 4,5, 5. 4,5, 5, ouais. Allez, touche pour les Lorientais, là, dans les 30 derniers mètres. Philippe Otto. Mesloub. Siani. 0 sur 10, 5 sur 10 pour Lance Actu. Ouais. Un peu ce que je pense aussi. 3 sur 10. On dirait... ouais, je sais pas. Allez, Wise, côté droit. Wise qui essaie de trouver à Mukanjo, là, qui s'écroule, mais l'arbitre qui ne va pas siffler. Merci, Marcos. Ouais, 3, ils sont mieux, mais ils sont moins bien quand même dans cette seconde période, hein, frérot. Ils ont quand même, ils subissent quand même un petit peu les Troyens. Ils devraient faire attention à pas se faire... à pas se faire égaliser parce que les Lorientais, comme sur un coup de pied arrêté, comme on l'a vu avec Siani tout à l'heure, peuvent faire mal aux Troyens, même si c'est vrai que les Troyens, pour le moment, sur l'ensemble du match, méritent pour le moment de gagner. 5,5. Merci, le QG des Licornes. Allez, le coup franc pour les Lorientais. On va essayer de se mettre un petit peu plus dans le match, même si c'est très difficile, hein, pour être honnête. Allez, Mbouemba. Ah, les deux équipes, on sent quand même qu'ils ont beaucoup de pression. Le Goff, côté gauche, on s'est bien fait de la part de Le Goff, le centre. Mais le ballon est sorti en 6 mètres à nouveau. Il a un poil poussé trop le ballon sur son dernier appui, sur sa dernière touche. Et en même temps qu'on fait, juste avant, il tacle. Il tacle Le Goff. Il était un petit peu trop violent. Son tacle de confit, il aurait pu être repris par l'arbitre. L'arbitre en a décidé autrement. Allez, le ballon pour les Troyens. Mais tout de suite récupéré par Wise qui va obtenir la touche près de la ligne médiane. Peut-être la 75e, peut-être les 10 dernières minutes vont être folles, peut-être les 5 dernières minutes, ou peut-être le temps additionnel, ou peut-être pas. Soldré, donc, veut le dab. Le dab, c'est dans 43 abonnés. Alors, si vous êtes chaud, vous allez tous sur Facebook, Twitter, Snap, et vous dites à vos potes de vous abonner. Et on aura peut-être un dab, mais faut que ça les intéresse. Hein. Voilà, alors qu'il y aura un bon coup franc, là, pour les obtenus par Mukanjo. Voilà, voilà ce qu'il apporte, la Mukanjo. Depuis qu'il est rentré, il donne quand même un petit peu plus de dynamisme à l'attaque lorientaise. Et là, c'est grâce à son physique qu'il a tenu face à Giraudon. Et il a obtenu le coup franc. Et c'est côté gauche maintenant. Toujours tiré par Mbouemba à 35 mètres des buts. Un petit peu décalé côté gauche. Et Darbian qui va sortir le buteur 3-1. Après ce coup franc. Il est bien parti ce coup franc de Mbouemba. Mais c'est repoussé par la défense troyenne. Et ça revient dans les pieds de l'ancien Lonéki. Mais qui se loupe complètement. Et c'est récupéré par les Troyens. Et peut-être un contre. Ah là là. Superbe défense de Le Goff sur ce contre Troyen. Ah là 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 là. Ça n'a pas été du tout bien joué par l'attaque troyenne. Qui avait un gros coup à jouer, mais ils n'ont pas joué assez collectif. Hein. Ça a joué un petit peu personnel sur cette action. Et les Lorientais sont déjà de l'autre côté. Avec Mesloub dans la surface de réparation. Mesloub qui essaie de centrer. Oh là là, de l'extérieur du pied pour Mukanjo, complètement loupé. Et Darbion, hein, qui, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, il était de moins en moins bien. Il perdait pas mal de ballons. Et voilà, l'entraîneur a eu le même avis que moi. Et il va le faire sortir là, Darbion. Mais c'est lui qui a ouvert le score tout à l'heure. Et il mérite l'ovation que le stade de l'Aube lui donne.
Lorient aura du mal à remonter. Je sais pas. C'est toujours ça avec le foot, c'est que jusqu'à la dernière minute. Merci Jimmy pour tes 2 euros. J'adore tes lives, big up. Merci Jimmy. Du GG pour lui dans le chat. Jimmy, je t'ai jamais vu. C'est la première fois que t'es en live. T'es sur le live. Merci à toi, Jimmy. Merci, Jimmy. Allez, Nivé avec le ballon. Peut-être le meilleur joueur. Peut-être sur le terrain, Nivé, aujourd'hui. Elle est large, hein, je pense. Mais lui aussi, c'est un petit peu éteint. Physiquement, ça commence à être difficile. Ouais, ça. Siani. Pour le Goff. Le Goff pour Philippe Otto. À 40 mètres des buts de Samassa. Il va obtenir la touche là, le Goff. Mon programme pour l'été, il y aura pas mal de vidéos. Il y aura pas mal de vidéos. Il y aura les rumeurs du mercato tous les jours ou tous les deux jours. Il y aura des lives spéciaux que je vous parle pas encore. Parce qu'il y aura des matchs. Enfin voilà, vous verrez. Vous allez voir. Et Philippe Otto, le centre, attention, la grosse occasion pour les Lorientais, c'est sorti en catastrophe par les Troyens, le centre pour Wai, c'était très bon. Il était venu du côté gauche. Et Samassa avait loupé un petit peu sa sortie. Il a percuté Obiang. Et c'était très chaud là. Ça vient de Philippe Otto, hein, côté gauche. Le superbe centre pour Waris. Et là, les Troyens, défensivement, c'est limite. Et finalement, ils ont réussi à la dernière minute, au dernier moment, à repousser le ballon. C'était chaud. C'est venu d'un petit peu nulle part, cette action. Mais c'était chaud. C'est quoi une remontada en France? Bah, c'est une remontée. Un comeback en Angleterre. C'est domination Lorient? Non. Un peu quand même en deuxième période, mais sans être dangereux. C'est ça qui est compliqué pour les... qui est compliqué pour les Troyens, pour les Lorientais, pardon, c'est qu'ils dominent. Ils ont le ballon, ils ont la possession. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aller voir la possession du ballon. Mais voilà, 59% de possession pour les Lorientais, mais pour l'instant, stérile cette possession. Allez, Meslouba avec le ballon. Allez, on arrive dans le dernier quart d'heure. C'est le moment pour les Lorientais. Pour élever leur niveau, c'est le moment pour les Troyens, pour confirmer leur victoire. Ils reculent quand même pas mal, hein, les Troyens. Même si là, ils ont remonté un petit peu le bloc. Attention, le ballon pour Philippe Otto. Il est parfait, le super contrôle du Lorienté. Mais il est repris par le défenseur central. 2-3. Giraudon. Mais bel effort là, à nouveau des Lorientés qui récupère le ballon. Attention, le ballon peut-être pour Wai au deuxième poteau. Mais Obiang, un petit peu. Il est complètement loupé là, Obiang, et qui met en corner. Corner pour les Lorientais, ça pousse un petit peu du côté des Bretons pour essayer d'égaliser. Alors que Tinan va rentrer et Grand Cyr va sortir. Bon match hein, de Grand Cyr. Il a été pas mal actif sur son côté. Comme Darbion de l'autre côté ou Nivé dans l'axe. Les milieux offensifs ont fait du sale un petit peu à la défense lorientaise. Même si c'était pas, comme je vous le rappelle, hein, comme l'ensemble du match foufou. Mais on peut dire que la triplette, ça a été peut-être la triplette la plus intéressante dans ce match. En essayant de combiner ensemble. Allez, corner pour les Lorientais. Dernier quart d'heure de jeu. Va-t-on voir un autre but dans ce match? Corner qui va être tiré par Mwemba au premier poteau. C'est repoussé un petit peu par les Troyens. Ça traîne un petit peu. La frappe peut-être. Oh, elle était contrée. La frappe de Philippe Otto au deuxième poteau. Oh là, quel retour de Philippe Otto après une tentative de contre des Troyens. C'est
La fille poteau, il élève son niveau de jeu véritablement dans cette fin de match. Il faut qu'il emmène aussi ses coéquipiers. Allez, le centre de Moreira peut-être côté droit, mais c'est repoussé encore une fois par la défense troyenne. Et ça revient sur Moreira qui loupe un petit peu son contrôle. Et le ballon qui va sortir en touche pour les Troyens. Il y a beaucoup de poteaux, ouais. Filet poteau, deuxième poteau. Bah, comment tu veux que je te le dise? Ouh là là, elle était super bien partie. Ça frappe à Philippe Poteau et c'est un joueur troyen hein, qui la sort. Le gardien Samassa a été battu. Encore une fois, un coup de pied arrêté, les Lorientais dangereux. Faut faire attention là pour les Troyens dans cette fin de match au coup de pied arrêté. Mbouemba qui va sortir. Ah, j'avais pas vu All Might Tosa. Vous voulez manger mon cul après le courant? Non, merci. Never is race. What? Attendez, les frérots. Attendez. C'est qui ton joueur préféré? J'ai pas de joueur préféré à part celui qui est sur l'affiche là. Et sur l'affiche là, c'est Zinedine Zidane. Mais il joue plus au foot. Allez, coup franc là pour les Lorientais. Il reste 13 minutes de jeu. On est à 40 mètres du but de Samassa. Et Mesloup qui préfère la jouer à deux. Avec Warissa. Et j'ai pas vu qui avait remplacé Mbouemba. C'est Cafou. Allez, Mesloub. Le changement de côté pour Mokanjo. C'est pour Philippe Poteau. Très actif en cette fin de match. Philippe Poteau. Alors que le ballon. Ouais, il y a eu une faute là. Lorientaise. Faute de Carrefou. Ah, là. C'est pas très bien joué de la part du Lorienté. En plus, il se fait marcher sur la main, le pauvre. Il commet la faute et il se fait marcher sur la main. Allez, on est presque 500. Hein. Merci à vous, les frérots. On est presque aussi 47 100. Est-ce qu'on va, avoir un nouveau dab avant la fin de... Avant la fin du match, je rappelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le foot. C'est ici qu'il faut être, les frérots. On fait tous les gros matchs ici si vous n'avez pas les chaînes payantes. Ou si vous avez les chaînes payantes mais que vous le regardez seul le match et que vous voulez en parler avec nous. N'hésitez pas à venir dans le clubhouse, c'est fait pour ça. Voilà les frérots, c'est la kiffance du footballance ici. Les fautes en France et en Colombie, c'est pas pareil. Soudred, c'est mon héros. Abuse pas. Allez, les Lorientais à l'attaque, c'est récupéré par les Troyens. Benjamin Nivet à la relance. Oh là là, quelle relance encore une fois, mais... Oh là, attention. Oh là, il lui a pas donné. Et la tentative de frappe de loin. Attention, il est presque battu, le compte. Oh là 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 là. Il a tenté... je sais pas qui... C'est Tinan. C'est Tinan, il a tenté une frappe du milieu de terrain, il a failli battre Lecomte, le ballon est passé à 1 mètre de la lucarne de Lecomte. Il me semble que Lecomte, si le ballon était cadré, il aurait pu peut-être la sortir. Mais c'était très chaud pour les Lorientais, ça va donner maintenant. On est de l'autre côté, ça donne un corner pour les Lorientais. Là c'était chaud sur cette action, ouais. Et corner maintenant pour les Lorientais, côté droit. Les corners sont de plus en plus stressants pour les Troyens. Les Lorientais sont dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et toujours 1-0 dans ce match. Il est parti, le corner tiré par Mesloum, mais c'est récupéré tranquillement par Samassa qui va pouvoir relancer son équipe. Superbe sortie hein, de Samassa alors qu'on revoit la tentative de Tinan. Elle passe pas loin. Hein. Elle passe pas loin. Mais le compte, il me semblait tranquille quand même. Allez, Nyan, côté droit, pour Nivet. Nivet, toujours. Les Troyens qui font tourner, ils essayent de gagner un petit peu de temps là.
Et la récupération, là, c'est bien fait de la part des Lorientais. Mukonjo pour Waris. Waris dans la surface de réparation! Et l'égalisation Lorientaise! Ils étaient de plus en plus dangereux! La récupération haute! Enfin pour les Lorientais, Mukonjo! Pour Waris dans la surface de réparation! La frappe croisée est allée, elle est au fond! Waris qui égalise! Ah, sur une mauvaise relance troyenne! Nivet qui se fait surprendre, il attaque pas assez son ballon. Et Waris qui la met au fond. Et voilà Mukonjo qui est rentré dans ce match à créer la différence. Ah merde, je mets 2-0. Un partout dans ce match. Waris. Ah, c'est dur pour les Troyens, c'est dur pour les Troyens, mais les Lorientais ont poussé. Ont poussé pour revenir dans ce match. Ah, c'est bien fait la part de Mukonjo, hein. Comme dit le commentateur, il aurait pu tenter la frappe, il a préféré décaler Waris qui était mieux positionné. Très altruiste là, alors qu'il y aura un corner. Oh, la mauvaise sortie de Lecomte et ça va donner un corner pour les Troyens. Ah, il a été très altruiste, Mukonjo. Il a vu Waris mieux placé que lui. Il lui a mis alors qu'il aurait pu tenter. Ouh, il y avait sûrement une main là de Lecomte là en sortant. Il a touché, il me semble, le ballon à l'extérieur de la surface de réparation. Et corner pour les Troyens maintenant. Alors moi j'avais dit. J'avais dit 2-0 pour les Troyens et finalement les Lorientais qui, après beaucoup d'efforts, ont réussi à égaliser. Attention, le corner qui est repoussé par la défense lorientaise et ça revient pour les Troyens parce que ça va être une touche à 35 mètres des buts de Lecomte, côté droit. Ah merde, ah oui mais je l'ai mis mais il y a eu un bug dans mon logiciel. C'est bon, c'est juste un bug de logiciel, je l'avais mis sur mon logiciel mais ça s'est pas mis sur le live. Vous inquiétez pas. Allez, les Lorientais qui se relancent. Le long ballon en profondeur pour Waris. Attention, Samassa qui est obligé de sortir de sa surface de réparation. Il est obligé de mettre en touche. Abonnez-vous les frérots, on est presque. Il manque 18 personnes pour le nouveau dab. Faites comme Aimant Bouloufa. Merci frérot, bienvenue dans le Clubhouse. Ah, ça va faire du bien aux Lorientais, hein. Avant le match retour parce que... je rappelle que c'est... un match, une confrontation aller-retour et ça permet pour l'instant l'Orienter d'être un petit peu mieux placé pour rester en Ligue 1, pour avoir leur ticket pour la saison prochaine. Cafou qui rentre dans l'axe, peut-être la frappe de Cafou mais elle passe à côté du but de Samassa. Et le gardien troyen va pouvoir se relancer, on va peut-être avoir une fin de match folle où les Troyens vont vouloir revenir dans ce match. Merci Alexis. Plus que 12. Je vous les avais dit que la fin de match pouvait être intéressante. On a ce but de Lorient. Est-ce que les Troyens vont réagir? Est-ce que c'est surtout ça? Est-ce que les Troyens vont pouvoir réagir? Allez, le long dégagement de Samassa là. Mais c'est déjà récupéré par les Lorientais. Alors que ouais, ce match, on sent les Lorientais. Qui viennent de perdre un ballon là. Le match qui pourrait tourner en la faveur clairement des Lorientais psychologiquement. Avec ce but à l'extérieur. La pression pourrait tourner. Hein, parce qu'on sentait les Troyens un petit peu moins sous pression que les Lorientais. Les Lorientais, on les sentait vraiment pas bien hein, dans ce match là. Un petit peu mieux en seconde période. Et plus ça allait, plus on les sentait un petit peu mieux, un petit peu plus haut. Ils ont eu des occasions déjà au début par Siani, mais toujours sur coup de pied arrêté. Ensuite, Philippe Poteau, à nouveau sur coup de pied arrêté. Et finalement, c'est dans le jeu qu'ils ont trouvé la solution. Allez, c'est pas terminé. Il reste un petit peu moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura... bien évidemment, du temps additionnel. Il y aura 2-3 minutes de temps additionnel. Allez, plus que 2 personnes.
Je t'ai mis un pouce bleu. Merci, Enzo. Allez, Samassa au corner. On sent là l'entraîneur troyen hein, sous tension. Et Samassa qui dégage loin devant. C'est repoussé par la défense lorientaise. Et ça traîne un petit peu. Oula, dans le milieu de terrain là. Un peu une grosse faute là de Thiago. Et les Lorientais qui vont avoir le ballon. Salut Zenox. Et 47 100 les frérots. Merci à vous du GG dans le chat. 47 100. On se rapproche de l'objectif des 50 000 abonnés pour la fin de la saison. Merci à vous les frérots. Merci. Hello lab. Merci à vous les frérots. Merci. Merci, 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 merci. C'est Germain Troussin qui nous prend. Allez, le match n'est pas terminé. 3 minutes maintenant dans le temps réglementaire. Lyon-PSG, c'est la finale de la Ligue des Champions féminines. Si vous voulez voir le calendrier, il est là le calendrier. Alors qu'on est 668, hein, j'ai pas vu. Ah non, mais pourquoi vous arrivez tous à la fin, les frérots? Attention, Philippe Otto, côté gauche. Qui revient en retrait. Les Lorientais qui vont peut-être pousser pour aller chercher même la victoire. Et le ballon pour Philippe Otto, côté gauche à nouveau. Philippe Otto, le centre, il est bon et c'est repoussé finalement par la défense centrale. 2-3, mais ça revient dans les pieds des Lorientais. Le centre de Moreira, mais ça s'est repoussé à nouveau. Attention, ça revient dans les pieds Lorientais. La demi-volée qui a été contrée, peut-être un contre maintenant pour les Troyens. Avec Nivet, Nivet côté gauche, maintenant l'accélération des Troyens, peut-être un contre pour eux. Nyan, côté gauche, qui revient dans l'axe avec Nivet, c'est bien fait. Ah, il manque quelqu'un de l'autre côté, c'est dommage. Thiago. Confé. Ah non, c'était pas Confé, c'était l'entrant. Côté droit, pardon les frérots. Et c'est récupéré maintenant par les Lorientais. Ouh, il y a eu une faute là. C'est Giraudon qui va prendre un carton là. Il n'a pas été de main morte. Ouais, le match retour va être serré. Hein. Je rappelle, c'est dimanche. Allez, on va se reprendre un petit peu de grenadine légendaire, les frérots. La grenadine légendaire. Alors, par contre, il ne faut pas que je mette la pub. Voilà, c'est comme ça. Parce que Cristaline, ils sont bien contents. Ils sont bien gentils. Il n'y a pas de sponsor hein, pour le moment. S'ils veulent me sponsoriser, pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Hein. Même Tesser, on prend la grenadine légendaire sans ça. Allez, Pévernès qui gagne un peu de terrain. 90e minute de jeu, 50 secondes dans le temps réglementaire. Le ballon par-dessus pour Mesloub. Ah, c'est récupéré par les Troyens. J'ai l'impression que ce match va rester là-dessus. Oula, c'était très chaud là entre Lotoa et Nyan. Et l'arbitre a sifflé en la faveur de l'attaquant troyen. Il a obtenu un coup franc près du rond central. Alors que il y aura 3 minutes de temps additionnel pour les dans ce match. Attention, Nivet à côté gauche, il est dans les 25 mètres. La frappe de Nivet, elle est au fond. Et 3 qui reprend l'avantage dans cette double confrontation. C'est Nivet qui redonne l'avantage et c'est mérité pour lui. L'homme du match, Nivet qui redonne l'avantage aux Troyens. D'une belle frappe. Ou alors qu'il a pris il s'est pris un coup par un de ses coéquipiers. Il est en sang il est en sang enivé. Mais superbe but à l'entrée de la surface de réparation. Le but à l'entrée. La frappe du droit. La belle frappe du droit de Nivet. Et le compte est battu. 2-1 pour les Troyens. 2-1 pour les Troyens.
et c'est Nivé. Et du coup, pendant qu'il fêtait... Et pendant qu'il fêtait le but avec ses coéquipiers, il a dû avoir un choc à la tête. Il a un trou dans le crâne, Nivé. Alors, il a marqué un but, c'est bien. Mais il va peut-être avoir une agrafe, un point de suture, parce que il a l'air d'avoir un gros trou dans le crâne. Et 2-1, du coup, pour les Troyens. Les Troyens qui se repositionnent pour le ticket, pour la Ligue 1. Même si un 2-1 n'est pas vraiment un bon score à domicile, hein, parce que une simple victoire, l'Orientaise 1-0 à la maison pourrait suffire. Il faudra de toute façon être solide en Bretagne pour les Troyens. Et du côté l'Orientais, on est dans la dernière minute du temps additionnel. Et il y a un coup franc pour les Lorientais, côté gauche, à 35 mètres du but de Samassa. Et voilà, le match qui n'était pas, qui n'avait pas beaucoup de saveur, a pris un petit peu d'intensité. Et c'est beaucoup mieux cette fin de match. Beaucoup plus intéressante. Oh, alors qu'il y a une faute là de Siani sur Thiago. Frustré un petit peu là. Les Lorientais. Bien fait pour Oliver. Oh, t'abuses, hein, frérot. Alors que Nivé revient sur la pelouse avec une grosse bande sur le crâne. Et on a dépassé hein, le temps additionnel. On a dépassé le temps additionnel. Et Samassa qui va pouvoir dégager son équipe. Il met un long ballon devant. Et l'arbitre siffle la fin du match. Les Troyens qui prennent une option pour le ticket. Pour la Ligue 1. Et le match retour sera dimanche. Rien n'est joué dans ces deux doubles confrontations. Mais pour le moment, 3 prend un avantage. Un sérieux avantage. Grâce à cette victoire 2-1. Un but de Darbion. Un but de Nivé. Et Waris qui avait égalisé. Mais pour rien finalement. Car Nivé a redonné l'avantage. Même si, quand je dis pour rien, tout est relatif. Parce que ce but est quand même très important pour les Lorientais, un but à l'extérieur. Et voilà, 2-1 pour les Troyens pour ce match. Allez, merci encore hein, les frérots d'avoir été encore aussi présents sur ce live, plus de 700. Je rappelle que demain, il n'y aura pas de live. Samedi, il y en aura deux. Par contre, il y aura la finale, la FA Cup, la finale de la FA Cup. Et tout simplement la finale de la Coupe de France. Et dimanche, le match retour de cette double confrontation. Je vais lire un petit peu vos messages et je vais vous laisser. Je vais pas vous lancer, les frérots. Mais je vais vous laisser tranquillement. Mais je vais lire un petit peu vos messages pour vous remercier, les frérots. On est 47 119. Hein. Merci à vous. Papy Nivé, les coiffes, Florian. En plus, il n'a pas de cheveux. Ils peuvent toujours gagner chez eux, les merlus. Bien évidemment. Fares, c'est parce que c'est la Ligue des Champions féminines. Yes, Ahmed, bien évidemment, tu peux. Après, moi, je le ferai pas, tu vois, parce que je préfère garder ça, tu vois, dans un cadre, tu vois, c'est toi, tu peux le faire, tu peux le dire dans le chat, aucun problème, ça me va. Mais tu vois, pour pas que ça, tu vois, que ça embête tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas, qui n'ont pas les mêmes pensées que toi. Voilà. Moi aussi. Tu vois, pour ce que tu dis, je pense la même chose. Donc, grosse force à vous. Mais voilà, pour pas déranger, tu vois. J'espère que tu me comprends, Ahmed. Voilà. Mais grosse force à vous. J'espère que ça va aller ce mois. PSG Lyon féminin, finale de Ligue des Champions. Exactement. Je suis content, peut-être. Je suis content. Alors, putain, Alexis. Putain, merde. J'ai pas compris ton message. Trop de fautes. J'avais dit 2-1 pour 3. GG. Lance Actu. Merci pour ce live. Au revoir. Au revoir, Lucas. Le compte, c'est pas vrai. Lorient, c'est gagnant. Les Bretons se font en... Mon Dieu, j'adore. Heureusement que j'ai pas lu la dernière phrase. Ça marche, Ahmed.
Du coup, bon courage et j'espère que tu seras là sur les prochains lives. Sauf que tu mangeras pendant les prochains lives. Tu ferais Cameroun, Nigeria. Non, frérot. Je fais pas de. J'ai pas vu. Faudrait que je regarde, tiens, les footballeurs, les matchs africains, parce que j'en ai pas encore fait. C'est pas. Pour être honnête, c'est pas. C'est pas. Je fais beaucoup de matchs européens. Je fais pas de matchs américains, sud-américains. Ça m'intéresse pas trop. Je m'intéresse plus vraiment aux matchs européens. Mais pourquoi pas quand il y a des gros matchs, vous m'envoyez des messages sur MP. Après, moi, je regarde. Moi, je fais que les matchs qui m'intéressent vraiment. Alors, s'il y a un bon match, je regarde un peu. Si ça m'intéresse, je le ferai, pourquoi pas. Un match africain, un match sud-américain ou un match de la MLS, pourquoi pas. Mais après, je veux pas me forcer. Voilà. Mort de rire, de toute façon, Lorient allait en Ligue 2. Mais non, mais c'est pas terminé. Vive Strasbourg pour vous battre chez vous. Tu pourras faire le match retour. Je le fais le match retour. C'est dimanche le match retour pour ceux qui demandent. Dimanche, Lorient 3. Et je rappelle que samedi, quand c'est marqué finale de la Ligue des Champions, il y aura bien évidemment les maillots à gagner. Merci, Lance Actu. Demain, je vais à la pêche. Je vais te pêcher. Je vais te pécho. Comme Brésil vs Argentine. Voilà. D'ailleurs, il y en a un. Brésil vs Argentine. Attendez, je regarde sur le calendrier. Il me semble qu'il y en a un, Brésil-Argentine. Vous voulez que je vous dise un petit peu les matchs qu'il y a que j'ai noté pour le moment? J'ai pas tout noté encore. Mais si vous voulez que je vous les dise, cet été, ce qu'il y a, je l'ai déjà dit. Mais dans certains lives, mais si vous voulez, je peux le redire. Si vous voulez. Est-ce que vous voulez? Ouais, c'est le clubhouse, c'est comme à la maison. Exactement. Dimanche, je suis pas là. Désolé, j'y fous. Mais il n'y a pas de souci, Alexis. Ligue des champions féminines, finale. T'es pour quelle équipe dans le monde entier? Personne. Ravi Audren, j'avais dit 2-1. Bien joué, Thierry Kevin. Le 9 juin. Ouais, voilà, c'est ça. 9 juin. Est-ce que je l'ai noté? Même pas, tu vois. Même pas. Alors, tu vois, il manque pas mal de matchs. J'ai pas tout noté. La finale de la Coupe du Monde du U20, c'est le 11 juin. Le début du Mercato, c'est le 9 juin. Suède-France aussi, le 9 juin. Donc, il reste quand même pas mal de matchs, mais ça sera beaucoup plus espacé. Hein. Donc, le 3 juin, finale de la Ligue des Champions. Il y aura deux matchs entre-temps. Il y aura Suède-France. Il y aura le début du Mercato. La finale de la Coupe du Monde du U20. Il y aura France-Angleterre. Aussi la Coupe des Confédérations. Il y aura la Coupe des Confédérations avec le Portugal, le Mexique, la Russie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Chili. Voilà, toutes ces équipes, toutes les équipes qui ont été championnes d'Europe, championnes du monde, championnes d'Afrique, championnes d'Asie, championnes d'Océanie, championnes d'Amérique du Sud, voilà, de la CONCACAF. Et après au mois de juillet, ça sera l'Euro féminin. Et il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, d'autres lives. Il y aura des lives surprises. Alors j'espère que vous allez kiffer parce que je vais vous faire des lives. Je garde ça secret pour le moment parce que voilà, il y a beaucoup de copieurs sur YouTube. Je vois, il y a plein de monde qui font mon concept. Merci le QG des licornes. Mais il va y avoir des lives sur des matchs de foot. Mais je peux pas vous dire c'est quoi les matchs de foot. Mais j'espère que ça vous intéressera. Vous verrez, je pense que ça va être super bien. Et en plus, normalement, je pourrai vous montrer les matchs. Alors ça sera cool. Parce que normalement, je pourrai vous montrer les matchs. C'est prévu, Unisox. Je pourrai vous montrer les matchs. C'est tous les maillots. Parce que... Merci Annabelle. Oui, Corentin. Après, on sait pas, c'est dans longtemps, donc on sait pas ce qui peut se passer, mais normalement, oui. Oui, je fais la finale de la Coupe de France, samedi. Regarde. Paris-Angers. Merci, mec. Merci, Maxime. Super live. Merci, Loïc. Les gens, pour quand t'as P14? Je reste convaincu que tu es la réincarnation de Thierry Roland. Merci. D'ailleurs, pourquoi le pseudo Solred? C'est trouvé sur le net à l'arrache. Je trouvais pas. Voilà, c'est pas. Je vais te mettre commentateur sur Beansparache, qui ferait bien. Mais bon,
Ça, du coup, je serai plus avec vous. Ça serait chiant quand même. Bon, les frérots, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Hashtag. Hashtag quoi? Hashtag quoi? Alors, on va voir les vrais. On va voir les vrais. Hashtag quoi? Hashtag quoi? Hashtag quoi? Quand je montre ça, c'est hashtag quoi? Tu ne fais pas la finale de la Coupe du Roi. Non, c'est en même temps que la Coupe de France. Donc, je ne la fais pas. Mais on suivra le score, bien évidemment. Hashtag quoi? Hashtag quoi? Hashtag quoi? Hashtag quoi? Putain, il est long le. Ah, voilà! Ah, mais grenadine légendaire! Hashtag grenadine légendaire! Hashtag Coca-Cola, Mathieu! Hashtag grenadine légendaire! Eh oui! Eh oui, les frérots! Grenadine légendaire! Ça y est, c'est arrivé dans le chat! Merci, les frérots! Grenadine légendaire! Et le au revoir des années 90! Merci à vous! Merci à vous, hein, les frérots! Merci à vous d'avoir été présents! Merci du soutien! Le au revoir des années 90! Tchuss, les frérots! Tchuss, tchuss. Samedi, demain pas de live. À samedi les frérots. Tchuss.